Qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui? Some ho-ho-hos! Some ho-ho-hos! Mon amour. Oh yeah. Joyeux Noël. Merci. C'est pas encore Halloween, mais c'est correct. Un petit gag de Manscaped, parce que tu sais comment je suis fan des textes qu'ils m'envoient. Je t'écoute. C'est parti. Everyone loves turkey and stuffing, but you'll be looking like dessert. With the help of Manscaped's Performance Package 4.0. C'est bon. Ça sent bon. Pour vrai, pour vrai, là, c'est bon. Honnêtement, comme, si tu vas à l'école de l'humour puis que ça tu perces pas, envoie ton CV à Manscaped, ils vont t'embaucher pour écrire ce qu'on lit. Ils vont pas t'embaucher. C'est pas assez bon. Ah ouais, non, c'est ça. C'est tough, là. Je comprends. C'est quoi Manscaped? Manscaped, c'est des items pour entretenir ta pelouse personnelle. Des sourcils aux orteils, en passant par le califourchon. Voilà, c'est autour des parties génitales. Et ailleurs! Le rasoir arrête pas de buzzer si tu montes genre autour des mamelons. Là. T'as raison. OK. Coupe le vin, livraison gratuite. Ça serait génial. Ça devrait être ça, le prochain produit. Comme les paniers d'épicerie quand t'essaies de sortir du parking. Tu feras pas du jackass avec nos paniers. T'avais juste à venir en char ici. Code promo couple 20 pour la livraison gratuite et 20% de rabais couple sur manscaped.com. Your balls will thank you. Ça, c'est leur slogan. Vous pouvez pas le répéter merci. Si vous avez pas le droit. Okay. Ça, c'est fait. Yes, mon amour. Comment ça va? Extrêmement bien. Malade. On a décidé que... en fait, on a trouvé le métier qu'on allait faire quand ce petit projet-là va finir. Mm-hmm. On écoute un documentaire absolument délicieux qui s'appelle Love Fraud. Mm-hmm. C'est un con artist qui entiche, fait les femmes tombent en amour. C'est un fraudeur qui prend des femmes de 40 ans du Midwest très laides. Ah, sont corrects. Ils sont tout le temps laides. Non, sont tout le temps laides. C'est pas parce qu'ils se sont fait tatouer du eyeliner qu'ils sont laides. C'est un gars pas si laid, pas si beau qui... Il prend des femmes un peu laides, souvent, qui ont des maris qui les entretiennent pas puis qui boivent à journée longue. Il fait en sorte qu'il tombe en amour avec elle. En 3 semaines, il se marie avec elle, il vide le compte en banque, puis il se sauve. Puis il fait ça depuis des décennies. Ouais. Il y a souvent 3 mariages en même temps. Puis là, pour le pognier... Il y a combien d'épouses, finalement? À un moment donné, la documentariste, elle l'interview, puis elle essaye de faire le compte-rendu de ses épouses dans l'ordre. Puis il est pas capable. Ouais. Puis justement, c'est 10. Il s'est marié à 10 reprises, puis il a 49 ans. Yeah! C'est un super documentaire. C'est disponible sur Crave ou si t'es un pirate n'importe où. Bien dit. Puis... Puis le documentaire vaut la peine pour la dernière demi-heure. La dernière demi-heure, c'est du grand documentaire. C'est du grand cinéma. Si vous êtes habitué d'écouter la télé avec votre sel des mains, moi, j'ai lâché mon sel. Hein? Ça veut tout dire. Ouais. Ceci dit, donc, via ce documentaire-là, on a trouvé ce qu'on voulait faire dans la vie parce qu'on a vu ce qui se passait. On était comme, oh my God, le rêve. On veut épouser des femmes laides. Puis usurper leur argent. Puis si ça marche pas, on va devenir détective privé. Honnêtement. Puis épouser des femmes laides. Puis usurper leur argent. Un n'empêche pas. Un n'empêche pas l'autre, hein? Surtout, tu dis, chérie, je suis détective privé, c'est pour ça que je suis pas là 12 heures de temps. Puis là, à l'autre, tu dis la même affaire. Hein? Tabarnak, on a-tu appris en écoutant ce documentaire-là? Ouais. Parfait. Donc, si vous voulez nous embaucher, on est vraiment bon pour rester assis dans une voiture vraiment longtemps. Fumer des cigarettes. Fumer, filmer avec notre sel, puis shaker un peu. Ouais. Porter des t-shirts avec des phrases ironiques. Il y a une bounty hunter, oui. Je peux pas dire. Oh, ça se dit pas en français parce qu'on n'a pas ça ici, je crois. Parce qu'on a des règlements qui se peuvent. Et elle, tout ce qu'elle fait, c'est fumer des cigarettes
Et avoir des t-shirts avec des phrases ironiques. Elle n'aide pas beaucoup l'enquête. Tu oublies son Bluetooth. Elle a toujours un Bluetooth, personne ne l'appelle jamais. Personne ne l'appelle jamais. Là, c'est un madame, là, t'es pas un chauffeur taxi haïtien. Enlève ton Bluetooth. Un moment donné, le meilleur bout, c'est quand tu la cherches. Le gars, il s'ouvre un restaurant avec une de ses femmes, un restaurant de fruits de mer. Puis elle le trouve pas. Puis elle décide de examiner attentivement le menu du restaurant de fruits de mer en pensant qu'il y a un indice caché dedans, à savoir où est sa prochaine localisation. Surprise, surprise, il n'y en a pas. C'est juste un menu de restaurant. Puis c'est comme... peut-être un psychopathe qui n'a pas vraiment de but dans la vie puis qui improvise au fur et à mesure. Puis après, il fait comme un autre move qui n'a pas rapport avec le menu puis il est comme « M'attendais pas à ça! » Non, madame! Hein. Bref, fucking bon. Puis, ben, embauchez-nous. On va stalker qui vous voulez. Là, qui ça vous va voulez. Nous faire plaisir. Puis, comme j'ai déjà dit au podcast, mon amie Julie est vraiment bonne aussi là, pour enquêter sur les ex de ses prospects amoureux. Fait qu'elle va être dans notre équipe aussi. Amener Julie, elle avait un prospect. Puis là, mais Steph, elle encourage. Ben oui, il est le fun. Ben oui. Puis elle dit, ben là, il n'a pas fini de payer son char. Tu fais, OK. C'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau, là. Un, que tu saches ça, que tu saches ça. Deux, que c'est un red flag qui n'a pas fini de payer son char. Qu'est-ce qui se passe? Faut se protéger. Faut se protéger. Faut se protéger en femme. Mon amour, on a un invité. Exceptionnel. Présente-le ça, je t'en prie. S'il vous plaît, veuillez accueillir Charles-Antoine Desgranges. Salut, bonjour. Salut. T'avais des choses à dire à propos de notre intro. Oh, comment tu sais? On est des détectives! Bon, t'es fort, je suis fort! Puis t'as pas fini de payer ton char tout seul. C'est vrai! Bounty Hunter, c'est chasseur de primes. Ça existe? En français. C'est un terme qui existe, ouais. On mais il y en a-t-il au Québec? Ouais. Chasseur de primes, oui, je pense que oui. Puis, me semble que j'ai déjà vu un documentaire sur des chasseurs de primes. Il y en a beaucoup qui travaillaient, mettons, pour les Hells ou la Mafia. Là. Ah, ouais. Mais ouais, on a ça. Je pense qu'il y a ça partout, officiellement, mais je pense pas que c'est comme contingenté. Je pense pas que... pense pas que son 80 000 à faire Chris, c'est toujours le même que le gig. Là, tu sais, je pense qu'il y en a peut-être un. Là, puis... Il y en a 12 qui graduent à chaque année. Sur la courte, il y en a peut-être deux qui travaillent. L'examen, c'est joué à clous, genre, puis guess who, là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, chasseur en prime? C'est quoi ce métier-là? Tu peux payer quelqu'un pour faire comme, hey, je veux que telle personne n'existe plus. Mm. C'est pas ça qu'elle faisait, la bonne femme. Ces gens-là s'alternent dans le. Tu sais, ils ont plein de champs de compétences. Il y a des tueurs à gages qui peuvent aussi. Casser une jambe. Casser des jambes. Moi, j'ai un collègue à un moment donné, je peux pas nommer son nom, qui travaillait des fois pour un Shylock. OK. Shylock, vous savez ce que c'est? C'est Charles Brunet, je suis sûr. Brunet du genre. Il est très menaçant, Charles Brunet. Charles Brunet est déjà arrivé en disant, yo, l'argent que tu dois à Michel, tu vas donner à Michel en estime. Ça serait malade qu'on apprenne ça. Mais non, c'est ça, j'avais il un collègue. Il casse des jambes, Charles. Il était beef. Un genre de corps arrière, un D-line de football. Puis lui, il était comme moi. Hein, quand j'ai besoin d'arrondir, moi, je m'en vais, le gars. Et on passait, c'était à Repent, c'était une crèmerie. Il était comme ça, c'était un Shylock. C'est une crèmerie, mais en arrière, le gars, c'était un Shylock. Hein? Puis lui, ce qu'il fait, c'est « Hey, telle personne ne m'a pas payé, débarque chez eux, puis… » Damn! Ouais. Ça? J'ai gagné la compétition de c'était-tu la lutte? Tu sais, quand tu commences… La lutte, c'est arrangé, mon amour. C'était écrit que tu allais gagner. Malheureusement, quand t'es Shylock, l'autre bord, il… Ouais, c'est pas mon arrangé, amour. Là. Ils ont pas des masques, puis genre, un présentateur. J'étais gérante de lutteur. M'amener la Russie dans la vraie vie, il n'y a pas l'arbitre qui est toujours évanoui. Au primaire, aux Olympiades, là, j'avais gagné le... C'était-tu du judo ou je sais c'était pas? Ben, voyons, l'école, t'allais! Voyons, ma chérie, les enfants, ils se battaient. Les profs fumaient des cigarettes, ils gageaient. Il y a des concours de judo au primaire. Hein? On commençait à genoux buvaient. Face à face. Astique, je veux te voir faire du judo à 6 ans. Mais plus comme 4e, 5e année... Puis c'est ça, la position de départ, c'était à genoux face à face, puis on se tenait comme les deux comme, par les ouais, épaules. Comme dans le vrai combat, là. Puis là, une année, c'était comme go, puis il fallait que tu mettes l'autre à terre, puis tu le tiennes. Mais moi, j'ai toujours été grande, puis j'ai grandi vite, fait que je clenchais tout le c'était-tu monde. C'était-tu les profs d'éduc ou les profs en général qui géraient ça, ou c'était vous autres, des tapis bleus? Tu faisais ton exposé oral sur, genre, les grands explorateurs, puis après, tu te battais. ça, c'était l'avant-midi. Au lieu de la lecture, là. Dans le coin cuisine, c'est-tu quand t'as fini de faire tes affaires. Moi, au primaire, j'avais un,
j'engageais des enfants, moi, au primaire. Pardon? Ouais, mettons, j'étais comme plus vieux, mettons, je sais pas, moi, 4-5e année. Au vieux, là. En 10 ans, c'est vieux. Là. Ouais, mais comparé clairement à ceux que j'engageais, j'allais voir, mettons, les premières années maternelles. Okay. Là, maternelle? Ouais, nous autres, ils étaient dans la même cours d'école que les premières jeune, années. Là, pour avoir du stuff. J'allais voir, j'étais comme, moi, j'ai... mon père m'achetait des paquets de billes, mettons, là, tu sais, puis on jouait aux billes, nous autres, dans le temps. J'étais comme, je vous donne toutes mes paies billes, ramenez-moi ceux que vous gagnez, puis je vais décider ceux que je garde, puis ceux que je vous donne. Puis j'étais assis sur le banc, là. Puis ils venaient me voir avec leur bille. J'étais comme, OK, moi, je garde elle, tu peux partir avec elle. OK, je faisais ça. Puis ces mêmes astis-là, je leur donnais des cours de karaté quand l'école était finie. Apporte ton 2$. On était à côté, genre, de la headset pour pas que personne nous voie. Puis je leur faisais des prises de lutte. Comme ça qu'on fait. Je leur disais, donnez-moi c'est mon pas du karaté, ça? Ouais, mais moi, j'étais. Eux autres, ils le savaient pas. Il y avait genre 5-6 ans. Ouais, je leur faisais des corde à linge, puis tout. Ouais. Puis ils te payaient pour ça? Oui, 2$. Mais c'est beaucoup. Waouh! Ouais, quand j'étais. Puis là, j'arrivais chez nous, je me payais des bonbons, puis tout. Ah. T'as tout compris. Ouais, j'avais mais compris. Mais t'es un entrepreneur. Ouais, ouais, jeune au primaire, wow, j'étais super. On a Olivier Primo, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Je sors ma pizza, tout le monde, Odette. Allez-y. C'est là où il y a la meilleure pizza, hein. C'est au couche-tard. Tout le monde dit ça. Avez-vous déjà essayé sa bouffe? Non. Non, c'est pour ça que j'ai un beau teint. Ouais, faites-le pas. Moi, je l'ai fait une fois, son burger. J'étais comme, ça se peut pas que ça soit aussi mauvais. C'est dégueulasse. Ouais. C'est, ça goûte le sac en plastique, là. Wow. C'est un burger, tu manges dedans, t'es comme, Chris, je pense que j'ai pas enlevé l'emballage. Ouais, tu l'as enlevé, là. Ah ouais, non, j'ai pas trippé, ben raide, là. Moi, notre amie Victoria Charlton, elle m'a fait goûter au drink de Olivier, Beach Day, machin. Ouais. Puis j'étais comme, je veux pas le boire parce que j'ai peur d'aimer ça. Puis là, je veux pas aimer ce qu'il fait. Mais j'ai goûté, finalement. Puis? C'était très sucré. Ouais, ouais. C'était vraiment sucré. Puis le Gatorade qui saoule, là. Ouais, c'est ça, c'était comme bleu, là, genre, ouais, hein. En tout cas, c'était quand même bon, pour vrai. Là, j'étais comme, ah, faut que j'y donne, tu sais. Mais j'étais comme, Christy, c'est bien sucré, puis ça goûte pas l'alcool, fait que j'étais comme, oh là là. Ouais, c'est dangereux. Oh, oh. Ouais. Je sais pas voilà. Si c'est dangereux, gang. C'est complètement dangereux. Ben là... Non, mais attention, bon. Danger. C'est pas du fentanyl. Complètement dangereux. Checker les bonbons d'Halloween de vos enfants. Peut-être du Beach DVD. Charles-Antoine, oui. T'es allé à l'école de l'humour. Ouais. T'as voyagé grâce à l'école de l'humour. Oui. On a fait la deuxième année, il y a comme une tournée là, qu'on fait une 30-40 de shows. Mais nous autres, on avait la chance d'avoir un Belge dans notre cohorte qui a organisé pour la première fois la tournée, mais en Belgique. Fait qu'on est c'est allé, qui, ça? C'est Étienne Cercq. Okay. On est allé faire comme 13 jours en Belgique. On faisait peut-être 10 shows là-bas. C'est cool. Ouais, c'était vraiment malade. T'sais, on arrive là pendant le nouvel an. Fait que nous autres, on est complètement, genre, décrissé du vol, sa fête, tout. Oui, c'est le vol qui t'a décrissé. Oui. C'est ça, c'est voyager dans l'air. Ça aussi, c'est ça. Dangereux, les vols d'avion. Les vols d'avion. Puis, on est arrivé là, on a fait nos trucs. Puis nous autres, naïfs au bout, on fête, on a du fun. On avait un Airbnb, puis on s'est rendu compte après que c'était dans le moment du Bataclan puis des attentats à Paris puis tout. Puis on s'est rendu compte après que ceux qui avaient été arrêtés pour ces attentats-là, c'est difficile à dire toute cette phrase-là de chat, habitaient le Airbnb à côté. Oh! Pendant que, ouais, fait que c'était fou, ça. C'était fou, raide. Il y avait des militaires partout. C'était malade, par exemple. Oh la Belgique, c'était malade. Je me promenais, j'avais volé un chapeau de forme. Je me promenais comme dans les rues. Fait que c'est toi qui cherchais les militaires. Ça aurait été malade. Celui qui attire l'attention, c'est sûrement le terroriste. Ah, le gros genre de type avec le chapeau de forme. Mais ce qui était fou, c'est que moi, je travaillais durant le temps de l'école. En plus de l'école, fait que j'avais tout le temps du cash comparé à mes collègues qui étaient comme les parents payaient ou tu sais. Mm. Fait qu'en Belgique, je m'étais amené comme 5 000 € pour 13 jours. Là. Wow! Ah ouais, ça n'avait pas de sens. Là pas ça rentre 9 000 $, ça. Hein? 5 000 €, c'est une nuit. Peut-être plus 7 000 $. Okay. 7 500, ouais. Puis moi, je virais de tour. Là. Moi, c'était la bouffe. Je m'en calissais les taxis. Hey, ça va vous faire 50 €. Prends ça, ferme-la. Non, je virais. J'étais le baron, man, là-bas. J'avais un chapeau haute forme. Je chantais Sweet Caroline dans les rues. Je l'ai échappé. Ceux qui me connaissent dans la vie sont comme Chris, tu dors à 7 h, t'as ton thé puis t'as ton livre de lu. En Belgique, je l'ai échappé. Complètement. Avec mes 9 000 €. Tu sentais à la maison. Bref, ouais, vraiment, là, vraiment, complètement. Vraiment. C'est quoi la bouffe que t'as aimé là-bas? Des durums. Hey, fuck, des durums. S'il y en a qui écoutent, qui savent c'est quoi des durums, OK? Ça coûte rien. Okay. Comme dans genre 2 €, là. OK, mais là, tu criais, prends 12, puis... Ouais, j'ai payé comme un pacini, dans le fond. Mais un durum, là, c'est comme un genre de wrap plus gras, puis il
calisse des affaires là-dedans, genre de la merguez, genre des frites, de la mayo épicée. Puis ça, c'est l'équivalent pour nous autres des hot dogs. Okay. Fait que tu sais, il y en a dans la rue partout, à n'importe quelle heure, tu bouffes ça. Asti, on a pogné. Moi, puis Jay Fournier, on a pogné de quoi avec les Durum. Ouais. T'essaies-tu de le recréer à la maison maintenant? Non, parce que je veux vraiment que ça reste ce moment-là, puis je vais l'échapper. Là, si je commence à faire des Durum à tous les deux minutes, ça coûte le ciel, là, cette affaire-là, honnêtement. Durum, ceux qui sont comme D-U-R-U-M sur Google, ils vont vous montrer c'est quoi. Puis c'est je vais manger à Montréal. Oui. Gang, sur YouTube, s'il y a un endroit où il y a des Durum à Montréal, le lien, s'il vous plaît, on va y aller. J'aimerais ça le savoir. Ou à Longueuil. Tantôt, hey, t'as dit quoi drôle en esti? Tantôt, tu parlais du gars qui a genre 10 femmes en même temps. Oui. Imagine Charles pas en même Pellerin. Temps dans sa vie. Imagine c'est Charles Pellerin, ce gars-là. Comment c'est drôle. Tout le long, j'étais. Ben, peut-être que vous n'avez pas le référent de Charles Pellerin, mais j'ai déjà entendu parler de Charles Pellerin. C'est pour ça que j'ai comme allumé. Mais asti que ça serait drôle que ça soit lui. Qui a genre 10 femmes. Tu veux-tu l'expliquer aux gens qui nous écoutent? Parce que là, ça ajoute l'air. Ouais, qui est un womanizer. Avec des femmes très laides. C'est parce que Charles Pellerin, c'est un humoriste hyper talentueux qui a fait l'école avec moi, un ami de longue date. Puis il est très gentil. C'est quelqu'un, c'est probablement la personne que j'ai rencontrée qui est le plus mieux intentionné que j'ai vu de ma vie. Nous autres, à l'école, là, tu sais, jour 1, ils nous apprennent des affaires que déjà, t'es comme, hey, hostie, le bout où faut sauter, c'est un ballon, faire des voyelles, là. On va pas le faire avant mon stand-up. Lui, là, le matin, le soir, il faisait dès qu'il y avait deux minutes pour respecter les règles. Tu sais, il voulait. Ah ouais, ouais. Fait que, tu sais, de l'imaginer, lui, crosser 10 femmes en même temps, genre au Brésil, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ah, mais c'est souvent la personne que tu t'en entends le. Lui, tu t'y attends en tabarnak. C'est ça qui est le fou. Oh, oui, ouais. Il a la face. Il a des tics nerveux. Ouais, ouais. Il est fou. Ouais. Ben, il est charmant? Zéro. Ben, il est pas charmant. Il est manipulateur. Okay. Il est power manipulateur. Il est charmant si t'es en dépression. Puis ça, c'est sur Netflix, ce docu-là? C'était sur Crave. C'est sur Crave en ce moment. Okay, je suis sûr okay. que ça se pirate. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est sorti il y a comme deux. Parce qu'il y en avait un sur Netflix du gars, un peu la même affaire, Tinder, quelque oui! chose. Oui, Tinder Swindler! Ouais. Ouais. Mais lui, les il y a des ennemis. Les femmes étaient un peu plus jeunes, me semble. Ouais. Puis c'était plus ouais. genre lui, avec l'argent. Lui, il était époustouflant. Ah ouais. Hein. Ils avaient, c'était époustouflant. Ouais, ouais. Puis il habitait chez sa mère, genre. Je me souviens non, nulle part. Il vivait nulle part. Il n'y avait pas d'adresse. Il était cherché par Interpol. Quand Interpol te cherche, tu essaies de ne pas être à la même place longtemps. Puis il vivait sur les cartes de crédit des femmes qui usurpaient. C'est fou, ça. Incroyable. C'est cool, cool vie, par contre. Est-ce que ta dating life ressemble un peu à ça, toi? Penses-tu? Non, moi, j'ai une dating life très. Je suis très sauvage. OK. Wow. Ouais. Moi, je. Ben, ça veut dire bien d'affaires. Ouais, ben, c'est pour ça que je. Ouais. Dans le sens d'effarouché, là, on peut. T'es comme. J'ai peur de. Non, ben, on dirait que je. Difficile à approcher. Là. Ouais, je suis quelqu'un de très. Je suis tellement dans ma tête, dans mes affaires, que quand quelqu'un veut rentrer, je suis comme. Hey, pour vrai, on va voir, là. Tu sais, c'est comme. Je suis pas. J'ai eu comme des relations dans ma vie qui ont duré quand même 3-4 ans à 2-3 reprises. Fait que tu sais, 2-3 reprises, 2 reprises. Puis, t'as quel âge? 38. Puis on dirait que maintenant, je suis comme, hey, moi j'avais arrêté de faire de l'humour pendant comme, quand j'ai fini l'école, j'avais arrêté. Puis dans ma tête, ma vie était faite, j'avais mon travail, ma blonde, et voilà. T'sais, puis on dirait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, hey, je suis tellement pas heureux dans ça, je vais aller prendre un risque, je vais faire de l'humour. Puis on dirait que là, ma tête est tellement là-dedans que. Quand quelqu'un présentement essaie de comme faire un moi c'est très rare que je vais faire le premier move là tu sais présentement je suis pas là-dedans du tout, je suis dans ma tête, dans mes affaires. Fait que quand quelqu'un le fait, je suis comme OK, si ça clique pas au début, ça va être difficile pour moi de faire comme hey, on va essayer quand même. On dirait que je suis comme rendu à me dire je veux un clé en main tout de suite là, qui marche puis que je me dis c'est ça que je veux. Je veux pas essayer des trucs pour le moment, tu sais je suis là-dedans là, fait que on verra. Mais tu disais que tu te couches tôt, tu lis ton petit livre, tu aimes ta petite tisane. Ouais. Je relate 110%. Lui, il lit, tu vois, tu joues des petits jeux, faut-tu des zombies? Ben, moi aussi, complètement petit jeu. Puis je me dis, oh shit, un petit jeu. Je suis vraiment bon gestionnaire de cette ville. Mais moi, je suis un bon. Pourquoi mairesse? Venez. Mon île, là. Je me dis des affaires de même, pour vrai. Parce que moi, je suis un monsieur, là. Depuis longtemps, là, je dormais avec des bonnes nuits. Genre, j'avais 12 ans, j'avais pas de sens. Ma mère était comme là. Ben, on savait que t'avais ton entreprise à 10 ans. Fait qu'à 12, t'étais retraité, genre. Mais moi, là, tu sais, ce que j'adore, là, surtout en automne, là, c'est comme
prendre ma douche tôt, une petite tisane. Là, je lis un chapitre, deux chapitres. Idéalement, deux chapitres, sinon ça va être un. Après ça, je me brosse les dents, puis là, je me couche, puis là, mes pieds dans les couvertes, le lit est fait, comprends-tu? Mm-hmm, oui. Je suis ce genre de monsieur-là. Mais des fois, oui. Je joue à des jeux genre de stratégie, puis de « OK, ah, telle ville, OK, je maîtrise une ville », puis tout. Puis des fois, là, je me dis vraiment, à voix basse dans ma tête, « Hey, il n'aurait pas fallu que je sois là dans le temps de Napoléon parce que j'aurais été vraiment fort. » Je me dis des affaires dans même, là. Ah, je sais, complètement. Ouais. T'aurais conquéri l'Égypte dans même. Ben, je sais comment. Maintenant, avec oui. tout l'avoir de nos connaissances, je sais comment. Mm-hmm. Je suis persuadé que je pourrais. Mais ces gars-là, c'est fou quand tu penses à Napoléon, Hitler et ces trucs-là. Tu sais, on va dire ce qu'on veut sur eux autres, c'est des astides débiles. Reste que, comment tu fais pour rallier du monde comme ça autour de toi, juste avec ton charisme, ta voix, parce que tes idées, si on les questionne, sont questionnables en esti. Ouais, mais juste à rallier des nations, il y a quelque chose. Il n'a pas rallié des nations, Hitler, il a convaincu l'Allemagne pour être élu, puis après ça, il a fait comme... Il n'a pas été vraiment élu, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir de force? Il a pris le pouvoir de force. Il a pas gagné les élections. Un autre parti a gagné les élections, puis lui, il a pris le pouvoir. De il a force? Pris le pouvoir par la force. T'es sûr? Oui. Tu vois, ça, c'est ben, comme bonne stratégie quand même. Ouais, ben ouais. Parce que de mémoire, il avait été. De mémoire, mais on va vérifier. Il était deuxième. Il a forcé l'autre gars à donner le pouvoir. Mais je comprends pas. Ben, il faut quand même que tu forces un autre gars qui a énormément de pouvoir. Il y avait une armée, ouais, une police secrète. Les SS ou la ouais. Gestapo. Mais moi, ce que j'avais. La Gestapo, ça, c'est de la police secrète. Les SS, ça, c'est ouais. son armée secrète. Puis lui, il avait été engagé pour comme infiltrer les genres de d'extrémistes allemands de l'époque qui voulaient comme hey, « on est en crise économique, faut faire de quoi? » Puis non, il avait été comme engagé pour les infiltrer, puis il a fini par les diriger. Puis ils ont fait « Ah, oh, tabarnak, c'est eux autres qui l'ont mis là. » C'est vrai, c'est ça qui est arrivé, c'est ça le pire. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que ça prend cette espèce de dose de justement, c'est ça, charisme, leadership, gestionnaire, folie, moi, je suis d'avis folie que ça, leur... manipulation, ouais, 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 ouais. violence. Leur grande force souvent, ces hommes-là, des fois c'est des femmes, mais plus des hommes, c'est des sociopathes, c'est des psychopathes, fait qu'ils sont capables de faire les moves que les autres. Fait, moi, je me sentirais mal de faire ça. Lui, il fait non. Oh. Mm. Comme tu sais, le premier truc qu'Hitler a fait, c'est un putsch dans les années 20. Il a essayé de prendre le pouvoir par la force, puis il a échoué. Puis il était très à l'aise d'envoyer les gens se faire tirer dessus, puis lui reculer. Mm-hmm. Pas tout le monde qui a ce pouvoir-là de dire, hey, les autres, allez. Ah non, ouais. faut avoir comme un moment donné, faut que ces gens-là se soient vraiment dit dans leur tête, je suis ailleurs. Mm-hmm. Il faut y croire. Là. Moi, il y a un peu de... Pas d'admiration, mais j'aimerais ça c'est parler. Il y a une fascination. Ah, c'est fascinant. C'est fascinant. Mm-hmm. Napoléon, là, quand il a amené sa gang en Russie, on va y aller, ça mourait de froid, puis mm-hmm. tout. Comment tu fais pour te rendre là? Parce que, minute, là, moi, je peux aller à des places en bosse. À pied, tu me perds. Là, t'as amené, genre, la grande armée française à pied de, genre, Paris... À Moscou, ben, les deux, à pied! Mais les deux ont de quoi en commun? Ils ont fait ce qu'on appelle la guerre totale. La guerre totale, ça n'existe plus vraiment, mais c'est la force de Napoléon, c'est pour ça qu'il a conquis aucun truc. C'est la guerre totale, c'est toutes les ressources du pays sont concentrées sur la guerre. Ouais. Totalement. C'est pour ça que Napoléon plantait tout le monde. C'est que normalement, les gens se disaient, ben là, on se donne rendez-vous, puis on met pas trop de ressources là-dedans. Puis Napoléon était comme, non. Tout tabarnak. Ouais, le pain je vends la Louisiane, si je m'en fous, on fait la guerre, tabarnak. C'est une des raisons pourquoi il avançait, mais quand tu meurs, ben, t'as plus rien. Ouais. Mais... Il reste plus rien derrière. Ouais. Hitler aussi fait la guerre totale. Oui, il a mis tout le monde sur genre, crèche les teintes. La production de. Le speed. Oui, il est drogué, c'est vrai. Ouais, il droguait son armée, oui. Ben. Efficace aussi encore. Ça fait partie de l'équation dont on parle depuis tantôt. Mais ceci dit, oui, moi aussi, je pense que je serais une excellente gestionnaire et leader de nation. Okay. Sûrement, probablement, ouais. T'as l'air ben, entièrement, de ce que je connais. Là. Quand je vais voir aussi les autres villes, des gens qui jouent au même jeu, ben, des incompétents, man, pourquoi tu... Oh my God, les maisons sont à ben trop grande distance. Pis... Incroyable. Mais tu leur dis, moi, je leur dirais pas, juste pour garder la supériorité. Puis là, des fois, ils ont besoin d'aide, il faut que je leur envoie des affaires, puis je suis comme, arrange-toi, calice, commence par faire du ménage dans tes affaires. Vous serez des grands généraux. Moi, je pense que je serais un bon dictateur d'une nation qui a une ressource naturelle, mais qui fait rien, là.
C'est un peu comme, mettons, des pays de même qui ont une ressource naturelle qu'ils vendent soit à la Russie, soit aux États-Unis, qui font ce qu'ils veulent dans leur pays. Puis souvent, ce qu'ils veulent, c'est moi, je veux la plus grande base à hélicoptère. Puis moi, je veux des statues de moins très haut. Je serais ce gars-là, moi. Ah ouais, toi, il y aurait de la statue. T'aurais genre du pétrole dans tes affaires. Prenez-le. Mais tu me dis jamais quoi faites faire. Faites des croquis de moi au fusain. Ouais. Je sais que je pense que c'est. Je sais plus qui. Juste. Rapetisser le nez. Ou plus gros, parce que ces gens-là tripent sur plus leurs traits sont gros. Je suis retourné des petits nez. Retourner, refaire ça. Henri VIII qui se faisait. Tu sais, comme. Ça devait être bizarre ce bout-là de. Là, tu m'as dessiné, ouais. Plus de pénis. Il faisait ça? Ouais, il se faisait rajouter comme un genre de. Tu un checkeras bulge. Henri VIII, là. Henri VIII, c'est le gars qui est la fameuse photo de, comme, du gars de même. Mais puis il a un phallus énorme. Puis ça a l'air qu'il se le faisait mettre en armure aussi quand il y avait des événements. Un genre de gros truc en métal sur le pénis, faire comme « excuse ». Je comprends tout ça, moi. Oui. Pas que j'ai un gros pénis, ça, c'est pas ça que j'aurais dit. Mais je comprends le « refais la photo au plus gros pénis, ça me prend une armure, je comprends tout ça. Ben » Je cautionne tout ça. Je suis d'accord avec lui. Mais oui, mais d'ailleurs, l'autre jour, on cherchait de quoi qu'il avait l'air pour de vrai, parce que, tu sais, c'est ça, lui aussi, il a eu plusieurs femmes et... Puis là, on s'est dit, mon Dieu, il devait être absolument délicieux. Puis il y a eu une série. Il était obligé de coucher avec les femmes. Non, mais c'est ça, mais il y a eu une série. Il était gros, gras, grand, grain d'orge. Là, fin, ah ouais, il était. Gargantuesque. Oui, c'est ça. Puis pareil, il y avait des Gérard pustules de aux jambes. Ouais. Puis, à laine, ça a l'air qu'il y avait des bobos proches de la zone. C'est ça qui se passe quand tu mets du fer près de ton pénis. Ben, probablement. Probablement. C'est jackstrap en acier. Là, pas bon, là. Ouais, moi, ces personnages-là me fascinent. Henri VIII. Ça. Moi, j'étais un grand fan de ces Game of Thrones, ces affaires-là. Mais il est fou, disons-le. Ouais, c'est des. Mais en même temps. Je pense que ceux qui se rendent pas là, en fait, ceux qui se rendent là puis qui sont épargnés de la folie, je pense que c'est eux autres qui sont vraiment impressionnants parce que je pense que c'est facile de tomber dans le « minute ». Moi, j'ai toujours été traité comme un prince. Le monde, genre, ramasse ma marde puis ils se l'échangent, tu sais, en faisant comme 4 piastres. Ouais. Excuse, quand t'arrives à ce comme momentum-là de ta vie, c'est difficile, je pense, de pas te penser comme un esti de... Et en plus, les rois... Ils sont nés là-dedans, ils se font dire « Tu es l'élu, Dieu te choisit. » Alors, comment pas être fou? Je veux dire, c'est... t'es né là. T'as jamais une période de ta vie où on te dit « Ouais, l'humilité, ça serait bien. » Jamais! Ben, probablement qu'il y en a qui ont comme... Tu sais, c'était pas juste des... Il devait en avoir beaucoup des malades, mais c'était pas juste des... Il devait y avoir des gens sensés qui ont accédé à ces titres-là et tout. Ben c'est plus tough, tu nais là-dedans. Ouais. Ben c'est comme Évelyne Ferron nous disait l'autre fois, c'est que souvent, c'est les familles aristocratiques qui sont autour de ceux qui sont dans la cour du roi et tout ça. Fait qu'eux autres aussi sont dans des conditions de vie absolument exceptionnelles versus le peuple. Faut jamais oublier qu'il était tellement... En France, ils les ont tués, là. Ouais, ouais. Ils ont leur coupé à la tête pour le remontrer, là, ça va faire. Ouais, reste que s'ils décident de rétablir la monarchie, il y a 3 ou 4 prétendants présentement en France qui attendent. Ça, c'est génial. Ça. C'est fou, moi, ça me fascine, ça. Ah, de la lignée. Oh, oui, ouais. Surtout, un qui croit à ça, Thierry Ardisson. Je pensais qu'elle allait dire Phil. C'est qui cet artiste-là? C'est le gars de Tout le monde en parle. Oui! Thierry Ardisson. Oui, lui, il est pro-monarchique. Ouais. Monarchie. Oui. Ah, ouais. Ouais, puis ça devrait être lui, même. Mais moi, je pense que ça serait hilarant qu'on la ramène en France. Tu sais, en Angleterre, on est comme, pourquoi on fait encore ça? Pourquoi ça existe? Mais en France, on fait, tu sais quoi? Let's go, on le ramène. Juste pour le voir faire, what? Chris se rasseoir, puis tout. Moi, je triperais. Moi, je triple là-dessus. Je me suis acheté un titre au début sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'était Lord Charles-Antoine. Je me souviens de ça. Parce que je me suis acheté un titre il y a comme 4-5 ans. Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'as acheté un titre? Tu peux payer dans la vie pour acheter des. C'est souvent des... Dans le but de sauver... Gère très bien ton argent jusqu'à présent. Ouais, mais moi, l'argent... On en parlera après. L'argent, j'ai bien de la misère avec le concept d'argent en général. On peut venir. Dépenser, t'as pas l'air d'avoir le problème. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Lord, ouais. C'est ça. Puis, il y a des manières... Tout le monde peut faire ça, de s'acheter des titres de noblesse. C'est genre parce qu'en Écosse, notamment, si tu possèdes une terre, t'es considéré de facto comme étant un lord écossais. Ce qui fait qu'il y a un organisme à but non lucratif qui veut sauver la faune et la flore de Glencoe. Je pense que je le prononce comme il faut. Ils ont acheté comme un immense terrain, puis ils vendent les parcelles de ce terrain-là à des gens. Moi, j'ai acheté un pied par un pied. OK. Combien, tu veux-tu dire? Peut-être 150
150 $ canadiens. C'est de l'allure. Ouais, t'es devenu un lord. Parce ouais, il m'a envoyé des papiers. Puis tout. Puis même que je peux me présenter là-bas, faire le, ouais, 3204, c'est mon terrain. Puis ils vont venir me le montrer. Puis tout. Puis oh, ouais, ouais, ouais. Ben, félicitations. Puis mettre vraiment les deux pieds, puis je rentre, tu sais, les deux pieds croisés dans mon terrain de même. Là. Puis j'allais faire ça. Moins ça. En Allemagne aussi, je suis baron de Rothenstein en Allemagne. OK. Ouais. Là, mon... T'as deux titres! J'ai deux titres. J'ai même des armoiries pis tout. Hein? Arrête! Ouais, mon... Sous le même principe, t'as acheté un lopin site internet. Terre. Même chose. Même chose. Ah, ouais. C'est comme le gars qui vendait la T'es-tu lune. T'es-tu à loyer ici au Québec? Oui. Ouais. Mais attends, ce qui est fou, c'est que j'ai lu dans les papiers légaux que si la terre que j'ai achetée en Écosse venait à, je sais pas moi, être contestée ou vendue ou peu importe, ben il faut qu'il me contacte. Qu'il fasse, excuse ton un pied par un pied, on aimerait ça te l'acheter. Faut qu'il négocie avec ouais, toi, ouais, c'est ça, génial. T'es vraiment propriétaire ouais, de ce carré. Un pied par un pied. Ouais. Wow! C'est malade. T'imagines, là-bas, tu mets juste une dalle de céramique. Ben, il y en a plein, j'imagine, qui font ça, tu sais, un poteau. Parce que, théoriquement, j'ai juste le un pied par un pied, mais j'ai tout l'espace, tu sais, de ce un pied ben par oui, un pied. Ben oui! Fait que je peux mettre oui. un nasty tour là-dessus, moi. Ouais. De Jenga. On va jouer au Jenga sur mon pied par un pied. Sur ma mais il va falloir qu'on joue les, tout le monde sur les pieds par pied des autres, tu sais, parce qu'on rentrera pas. Ouais, fait ah, que, c'est fascinant. Ouais, ouais. Fait que t'as vraiment un intérêt pour la royauté, la monarchie, les dirigeants. Non, le dirait. Pouvoir. Ah ouais. Le pouvoir. Ah ben c'est vrai depuis la cour d'école. Oh, oui, j'adore ça. Non mais moi je me questionne vraiment par rapport à il y a un bout dans l'histoire où est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit minute si je dis à tout le monde que genre, il y a une divinité qui m'a choisi puis qui me croit, mm-hmm. je vais avoir un avantage jusqu'à la fin de mes jours. Mm-hmm. Et ça l'a marché. Mm-hmm. Tu sais, le premier, mm-hmm. genre, dans le village qui a fait, attends, lui, il taille des pierres, OK, lui, il pêche, j'ai pas envie de faire ces deux affaires-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Excuse, hein? Vous trouvez pas que je suis très blond? Ouais, bon, c'est ça. Là, taille une pierre en forme de rond, calisse-moi ça sur la tête, puis toi, tu me donnes ton poisson, mon hostie. Puis en échange, je vous protège. Ouais. Comment tu vas faire? Ben, je vais demander aux épais là-bas là, de se tailler des lances. Ça me fascine, ce bout-là. Puis ouais. tout le monde a fait. Oui, oui, oui. Ça... Puis mm-hmm. pas juste à nous aussi place. Partout dans le monde. Oui! Ah ouais. Les gens se parlent en Afrique, ils ont fait ça, en Asie, ils ont fait ça, ici, ils ont fait, oui, ça. On le fait. Mm. Ça me fascine. Puis tu sais, aujourd'hui, on se dit, ben ouais, mais tu sais, c'était dans le temps. Puis tu réalises qu'aujourd'hui, c'est ben à l'école, super... tu l'as refait. À l'école, je l'ai refait. Mais non seulement ça, il y a plein d'endroits dans la vie, de moments où tu fais comme, pourquoi cette personne-là a autant de pouvoir? Puis quand tu analyses le, OK, les gens, ils donnent ça, ils trippent. Mm-hmm. Tu fais comme, OK, c'est le même principe. Mm-hmm. Et ça, ça me fascine. Il n'y a rien de mieux que, mettons, ça arrive souvent, tu as une gang, puis dans une gang, il y a un gars qui domine les autres. Ouais. Mm-hmm. Là, tu vas à un party. Un leader de, ouais. Et là, il y a du monde dans le party qui donne rien. Ouais. Puis là, tu réalises, ah, c'est vrai qu'un tweet, hein? Ouais, ouais, ouais. On a peur de lui, mais c'est juste un tweet. On n'arrive pas à contrôler tout le monde ici. Là. Vraiment. Ouais. Ou c'est comme quand tu découvres enfant ton premier mensonge qui fonctionne. Tu sais, le pouvoir que tu te rends compte justement que tu as, ça a marché. Mmh. Il faut juste que tu aies une bonne mémoire pour que. quand tu es menteur, il faut que tu aies une bonne mémoire. Là. Mais ouais, c'est vrai que c'est fascinant le pouvoir que tu peux avoir sur les moi, autres. Moi, ça, ça m'a toujours comme. J'ai minute, là. Il y a de quoi. Je veux pas ça. Ça m'intéresse pas d'avoir ça. Même si au primaire, j'étais comme. Je m'en servais un peu de la compréhension. Tu amusais-tu un enfant. Ouais. Mais. C'est quelque chose qui me terrifie mm-hmm. au départ, ça. De tu sais, je pensais à ça l'autre jour, juste avec des stars québécoises. Là. Mm-hmm. J'étais comme, hey, si cette personne-là, je vais pas nommer personne, mais si cette star-là que tout le monde adore, qui anime des talk shows à tous les jours, fait quelque chose d'illégal, tu sais, ça va passer. Il y a beaucoup de monde qui vont la défendre, alors que moi, si je fais de quoi, ben, ça me fascine, ça. Puis je trouve que c'est si la nouvelle tu fais de quoi, royauté. Tu peux t'extradier sur tes temps. Oui, oui. Ben, c'est un backup. Mais ça me fascine, ça, que la nouvelle royauté, ce soit un peu le la showbiz, célébrité. La célébrité. Oui, oui, oui. On l'a remplacé, tu sais. Ouais. Quand je disais tantôt que ça existe encore, on l'a remplacé. Kim Kardashian, c'est une monarque. Oui. Ouais. Puis ça ou va une aristocrate à tout le moins. Ouais, ouais, c'est plus moi, je me suis rendu compte avec TikTok, notamment. Là. Puis ça m'a mis dans un autre état de. J'avais pas de fun quand j'ai catché ça. L'espèce d'attention que j'ai eue, mm-hmm. la seconde où j'ai passé un certain nombre d'abonnés. Ouais, ouais. Là, le même call était rendu drôle. La même idée était du génie. Mm-hmm. Là, moi, c'est là que j'ai un peu débarqué. J'ai fait, j'ai pas envie de gagner de même. C'est intense. Ça m'intéresse pas, ça, ce bout-là de « Hey, tu viendrais-tu à telle place? » Pourquoi?
Puis là, tu te rends compte que, qu'ils veulent que tu y ailles parce qu'ils veulent plus d'invités. Ils veulent, en fait, ils veulent plus de monde qui paye des billets. Puis t'es comme, ah, j'ai... Moi, ça, ça m'a fait... Ah, c'est intéressant. Fait que c'est pas pour la... Tu sentais que c'était pas pour la qualité de ton art, que c'était juste pour le clout. Ben, je sens qu'il y a un peu des deux, mais je sens que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui regarde maintenant à cause du cloud. Puis je suis comme... Si, moi, j'ai l'impression que le cloud, c'est jamais acquis, là. Ouais, dans le sens que Instagram, TikTok, je perds des abonnés comme j'en gagne à tous les jours. Ouais. Fait que je suis comme... C'est un roulement. C'est toujours à faire à tous les jours. Je suis comme, OK, faudrait que... Fait que quand les gens se basent sur le cloud, je suis comme, hé là là, moi, ça me fait peur que tu te bases là-dessus. Si tu te bases sur le nombre et non la qualité, là, ça me terrifie un peu. Ou ce que ça veut dire pour toi? Tu sais, juste pour toi, individuellement, tu l'aimes-tu, cette affaire-là, ou tu fais juste suivre parce que, justement, il y a plein de monde, ça fait très les habits neufs de l'empereur, là. Tu sais, l'empereur, qui est le comte, l'empereur qui est nu... Puis que là, tout le monde... Raconte l'histoire, mon amour. Ouais, c'est ça. On dirait que j'ai l'impression que j'en parle souvent, mais pas si souvent. C'est un... c'est un conte. Je te le dis, c'est pas vrai qu'à tous les épisodes, tu racontes... Les habits neufs de l'empereur. Non, non, je te jure que non. C'est une fable ou un conte en fait, c'est justement un empereur qui demande à des tailleurs de lui faire des vêtements absolument exceptionnels. Puis, il est très mesquin, il est très, bon, un peu comme des dirigeants dont c'est on parle depuis tantôt. Roi. Oui, c'est ça. L'empereur, c'est Thomas. Charles-Antoine et moi, on est les pauvres couturiers qui essayent de faire des beaux kits. Puis là, à un moment donné, ils disent « On va juste faire semblant d'avoir créé un habit, mais il n'y a rien. Mais on va dire que c'est seulement les gens intelligents qui le voient. » Fait que là, ils font semblant d'habiller l'empereur, puis ils disent « Tu trouves-tu beau? » Tu sais, c'est vraiment les gens qui ont une intelligence exceptionnelle et qui peuvent le voir. Là, l'empereur, il est comme « Chris, moi, je peux un assis d'épaisse. » Fait que là, ben oui, c'est vraiment beau. Puis là, ils font parader dans la ville. Puis là, au début, les gens sont comme « Ah ouais, on est intelligent jusqu'à temps qu'à un moment donné, quelqu'un va... » Mais non, tu sais, tabarnak, il est tout nu. T'sais, plus c'est comme... Tu viens d'écrire l'art contemporain. mais sais-tu... C'est dans mon intelligent qui trouve ça beau. C'est très beau. Yoko Ono fait juste crier. C'est-tu une fable ou c'est une vraie histoire? Parce que ça pourrait avoir été... Là. Ça pourrait avoir... Non, c'est un conte. Je me souviens plus c'est qui les... C'est malade comme les auteurs. C'est-tu les... C'est dans les belles sœurs, c'est à la fin du livre. C'est les mêmes auteurs que les auteurs de La vraie petite sirène, me semble. Ah oui! On a tous connus. Les frères Grimm? Les frères Grimm? C'est-tu eux? Ou sinon Anderson? Je sais pas, ma chérie. Ah, je pense que c'est Anderson, l'auteur de La petite sirène et de ça. En tout cas, bref. Fait que voilà. Mais c'est bon. Mais j'ai envie de revenir sur de quoi. Là. Tantôt, t'as dit que si t'étais un monarque, tu serais probablement. Si j'étais pas, j'étais un dictateur. Ouais. Mais j'ai quand même envie de dire que t'es quelqu'un qui reçoit très bien les gens. Puis qu'il y a quand même un gros souci que tout le monde soit bien. Fait que je pense que tu serais excellent, moi. Raoul, il va très mal. C'est toi! Mais Raoul, il va très mal. Raoul, il a une souffrance. Je suis persuadé que si on te donnait le pouvoir... Il a perdu 55 livres depuis qu'il est... Il a mal aux dents. Il est charmant en bas. Il dit, je veux voir le soleil! Tu verras pas le soleil. Ouais. Mais non, je suis persuadé que je te donne le pouvoir puis qu'on pense qu'il se passe de quoi d'incroyable, mais qu'au final, on va quand même être bien. Ouais. Hey! Donnez-moi le pouvoir, on va voir. Moi, un truc qui m'intéresse, c'est ta relation avec TikTok, ça a commencé comment? Ouais. Ben, moi, c'est parce que j'avais arrêté l'humour en sortant de l'école. Puis. Tu me dis pourquoi? Ouais, en fait, c'est que je trouve que c'est quelque chose qui est très, très difficile mentalement à faire. Il y a beaucoup de monde qui ont l'impression que c'est de quoi d'assez simple, là, qu'on joue 15 minutes par jour, qu'on fait notre argent de la journée là-dedans, mais. Non. C'est moi, pas simple. C'est parce qu'il faut que tu te prépares. Il faut que ta tête soit là. Tu t'en vas. À chaque fois que tu montes sur scène, c'est un peu comme un bout de « les gens vont décider c'est quoi ma valeur ». Alors qu'il faut quand même que dans ta tête, tu l'ailles. Là, mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas rendu là dans ma tête. Puis j'étais extrêmement stressé à l'idée d'à tous les soirs me mettre dans un danger puis mettre ma confiance entre les mains d'un rire, d'une clappe ou de rien du tout. Ça m'a terrifié. Fait que j'ai fait, à ta minute, là, moi, j'ai besoin de travailler. J'avais un char que je venais d'acheter. Moi, j'entends ça chez toi. T'adores avoir un logement, puis quand il pleut, un toit au-dessus de ta tête. Ouais, c'est le genre de truc que j'aime. Fait que j'étais comme, je vais faire les shows que je peux, mais je vais travailler aussi. Puis là, c'est vite devenu que je faisais un show par 4-5 mois, puis que je travaillais tout le temps. Puis après 3 ans, mettons, en 2019, là, fin 2019, j'étais comme, hey,
je me levais le matin, puis j'avais, tu sais, je shakeais, je me réveillais en sueur, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas envie d'aller travailler. Mm-hmm. C'était mon corps qui me disait, c'est la pire idée, va pas travailler. Puis c'était comme, Chris, je suis dans un bureau, là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, j'ai fait, attends une minute, là, je vais commencer tranquillement à me relancer sur, je vais m'inscrire dans les open mic. Moi, j'étais comme, je vais faire toutes les open mic. Puis on passe du début. Ouais, genre, tu sais, j'avais des, je suis très ami avec Simon Boisvert, Charles Perrin, Jay Fournier, qui avaient leur soirée, puis j'étais comme, je veux qu'ils soient les derniers à le savoir. Mm-hmm. Ça me tente pas de faire, Simon, j'aimerais ça réessayer. Tu sais, puis j'aurais eu tellement honte de moi-même de le faire de même. Je voulais repartir, je voulais faire, peut-être que je l'ai pas du tout. Là. Mm-hmm. Fait que je me suis inscrit dans les open mic, puis ça fonctionnait, ça marchait. Vite, Simon m'a appelé justement, « Hey, tu reviendrais-tu faire une chronique une fois de temps en temps au West? » Très bien. Mais au même moment, la pandémie a éclaté. Mm-hmm. Au même moment où est-ce que moi, ma tête, j'étais comme, « OK, attends, là, je suis bien dans ma tête, je suis correct, je pense que je vais le faire. » La pandémie a éclaté, puis là, j'étais chez nous, puis j'étais comme, « Là, tout le monde est au même point. » Il faut que je trouve une manière que moi, ça continue puis que ça soit pas une autre raison pour faire comme, ben je vais travailler. Non, ben. Fait que je me suis mis à être sur TikTok. Puis ça a pris peut-être un 6 mois avant d'atteindre un certain nombre d'abonnés. Tu sais, un certain nombre d'abonnés, peut-être 1000. Là, puis un coup que j'ai eu 1000, là, mes vidéos ont commencé à vraiment popper. Là, l'algorithme est différent. Fait que depuis peut-être un autre 6 mois, c'est plus difficile, mais ça a été vite mon truc. Puis j'ai eu comme vite une tape dans le dos en disant, tu sais, qui faisait comme un peu genre, hey, tu pourrais aller là-dedans, puis tu aurais peut-être une chance que ça fonctionne, tes trucs. Fait que si jamais tu doutes, tu as des vidéos. Tu sais, je faisais une vidéo par jour, fait que une vidéo par jour qui, plus souvent qu'autrement, était drôle. Fait que j'étais comme, hey, il y en a qui sont pas drôles, mais j'essayais à tous les jours. Fait que j'étais comme, ça va être mon bureau de travail, ça va être mon open mic à moi pendant la pandémie. Puis quand la pandémie a comme fini, ben je suis embarqué dans la roue, puis depuis, ben je joue à presque tous les soirs, puis je fais mes trucs, tu sais. Pis... Avant de parler du côté sombre de TikTok, peux-tu prendre un moment pour donner, selon toi, des trucs à des gens qui veulent partir leur TikTok, recommencer leur TikTok, améliorer leur TikTok? Hey, tu veux que ton TikTok fonctionne ou tu veux avoir du plaisir sur TikTok, qu'est-ce que tu ferais? Ben je pense qu'au départ, faut que tu trouves ce que t'es sur TikTok. Tu sais, je sais que moi, au début, c'était beaucoup du mon parler, mes expressions, mes réactions face à quelque chose. Mais il faut aussi, je sais pas si c'est un conseil, là, mais ça se peut que ce que t'aimes puis ce que t'as envie de faire ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas tout de suite. Puis là, c'est le bout où est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à faire ce que tout le monde fait dans l'espoir qu'à un moment donné, ils puissent revenir à ce qu'ils aimaient. Mais moi, je pense que ça, c'est quand même un danger de tomber dans ce que les autres font, de ce que les autres pognent. Suivre les trends. Ouais, faut garder un peu ton essence. Puis à force, il y a un moment donné, si ton but, c'est que ça perce puis que ça te donne des contrôles, des trucs, ben garde ton essence à toi. Puis à tous les jours ou à toutes les semaines, ça dépend à quel point tu postes, là, mais fonce. Puis à un moment donné, il y en a un qui va fonctionner. Moi, mon but, c'était pas de percer. Moi, mon but, c'était de pratiquer puis de trouver ce qui faisait que j'étais comique. Mm-hmm. Fait que quand j'ai eu 1000, j'étais comme, OK. 20 000, j'ai fait, OK. Mais ça n'a jamais été, là, je veux 200 000. Mm-hmm. Parce que j'étais comme, ces 200 000-là, il y en a 40% qui sont en France présentement. Mm-hmm. Ça me, tu sais, je veux dire, c'est malade, là, c'est vraiment le fun, mais c'est très rare que ces gens-là vont acheter des bières à Repentigny. Oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, mon but, c'était vraiment juste de voir à quel point je peux toucher avec mon humour, sans pour autant me faire appeler par L'Oréal, faire « Hey, on aimerait ça que tu fasses une pub de shampoing. » Mm-hmm. Mon but, c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, pour percer sur... Maintenant, ça change tout le temps. Là, l'algorithme change à tous les jours, je te dirais. Fait que même pour nous autres, on en parle souvent, là, les autres créateurs qui sont dans le même domaine que moi, là, mettons Mégane Brouillard, Tom Minéron, on est comme « Tabarnak, comment ça fonctionne? » Des fois, t'en as un qui pendant 6 mois, tu le vois plus. Moi, je suis là-dedans présentement. Mais, mettons, j'ai fait une vidéo dernièrement sur Dominique Anglade qui danse, tu sais. Mm-hmm. La première fois que je l'ai postée, mon agent, il m'écrit, il fait « Tabarnak, c'est l'affaire la plus drôle que t'as faite. » Mais en 8 heures, j'avais 75 vues dessus. Par contre, 75 vues? Oui. Mais, puis t'as des centaines de milliers d'abonnés. J'ai 149 000 abonnés. Mais attends, 75 vues... Reste que ces 75 personnes-là ont, pour moi, autant de valeur que 149 000 personnes. Mais oui, ça reste quand même 75 personnes. Tu mets 75 personnes ici, c'est le fun. Du moment qu'il y a une... Moi, je suis d'avis que du moment qu'il y a une personne qui aime ce que tu fais, t'as gagné. Oui.
t'as réussi à changer quelque chose pour une personne. T'as fait rire une personne. Quelque chose, ben, là, tu lui as fait passer un bon moment. Voilà. Ouais. Moi, c'est ça mon moteur. Mais là, j'étais comme, hey, je la trouve vraiment drôle, cette vidéo-là. Je vais essayer de changer, genre, d'enlever une seconde à la fin, une seconde au début, puis de mettre peut-être un titre. Je suis pas tant titre ou ces trucs-là. Je l'ai fait en 20 minutes, 25 000 vues. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, c'est quoi la différence, là? Puis moi, ce qui est malade, c'est que j'ai un avertissement sur mon TikTok depuis peut-être 6 mois parce que je me fais contester beaucoup, beaucoup de vidéos. Okay. Vu que je fais des collages, je prends une vidéo de quelqu'un qui fait de quoi, puis moi, je réponds à ça. Souvent, la vidéo initiale est comme limite. Ah, ouais, ouais. Fait que je me fais contester mes vidéos, je m'ai fait enlever, puis moi, j'ai conteste tout le temps. Je fais comme, ben là, minute, là. Pourquoi la vidéo originale est encore là, mais la mienne n'existe plus? Moi, je me suis moi, dit que les compagnies de Silicon Valley, je sais que c'est chinois, là. Si Silicon Valley me dit, fais pas ça, je veux pas. Ouais, mais on n'est pas sur la même plateforme, nous, c'est moi, YouTube, il fait, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? D'accord, YouTube. Moi, je suis d'accord avec toi, YouTube. Je t'aime, YouTube. Ouais, aide-moi, hein? YouTube, s'il te plaît, gosse-moi pas, YouTube. Non, je suis beaucoup plus mou que toi, moi, par rapport à ces. Ben, j'ai très peur de cette entreprise. Je connais pas vraiment l'interweb, ces trucs-là. Tu sais, je suis vraiment comme un. C'est moi, j'ai connu un peu, mais ils me font peur. J'aurais peut-être avoir peur, mais. Non, ouais, sur YouTube, il y a le risque d'être démonétisé. Ouais. Ça veut dire que ton vidéo fera pas d'argent. Exactement. Ouais. Moi, j'adore faire de l'argent. Que ma fille puisse avoir des broches. Ouais, c'est vrai. À quel âge? 2 ans. 2 et demi, okay, on commence jamais assez tôt. On va être placé dessus. Là. Fait que, non, c'est ça, en fait. Fait que moi, j'ai un avertissement qui fait, là, prochaine vidéo qu'on t'enlève, t'es out. Fait que là, je suis comme dans un espèce de t'es moment sur le de edge. Là. Mais toi, pourtant, je vais pas prendre là, moi, mais pourtant, j'ai toutes mes contestations, en fait. Ouais, t'as raison, c'était pas si pire que ça. Ah, je sais que t'as... Moi, mais ils m'ont laissé l'avertissement. Fait que je suis comme... Je leur ai écrit, j'ai fait... Là, je sais pas à combien d'abonnés vous allez me lire, là, mais moi, dans le fond, j'ai gagné toutes mes contestations. Pourquoi je suis encore en punition? Vous avez fait comme... Ah ouais, vous l'avez accordé. Pourquoi? Puis pas de réponse. Fait que je suis comme, oh. Fait que là, je suis comme, allez me suivre sur Instagram. Parce que ce que je veux, présentement, je suis dans la vente de billets. Mm-hmm. Puis ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de l'argent avec mon show. Mm-hmm. C'est que personne perde de l'argent dans le processus. C'est ça qui me fait le plus peur. Fait que je suis comme, OK, il faut que je vende des billets. Chose que je déteste. Là, je fais des stories à tous les jours. Puis je suis comme, le bout de vendre des billets, j'ai de la misère avec ça. Mais ouais, fait que je suis pas mal là-dedans présentement. C'est ça le côté sombre pour moi de TikTok, je te dirais. Ouais. Comment c'est géré et tout. Ouais, ben c'est une... Oui, ça là, ça... Il y a des vidéos folles moi, sur TikTok, mais folles, des folles de... Waouh, ça, c'est dangereux. Ouais, c'est une plateforme spéciale. Mais moi, c'est le rythme du feed, on dirait, qui me... T'as 35 ans, mon amour, puis c'est fait pour du monde de 15. Il y a ça aussi. Oui, mais à chaque fois que je vais chez le médecin, ils me disent que mon cœur bat lentement. Puis je pense que ça ne fit pas avec le... Mais c'est quoi, t'as un malaise quand tu regardes TikTok? Non, c'est juste qu'on dirait que c'est trop... J'ai comme l'impression de zapper, genre. Ouais. Fait que je suis pas bien. Tu sais, moi, je suis plus du type, je vais aller regarder une fille manger des crevettes sur YouTube pendant, genre, une demi-heure. Puis là, je suis comme, ça a l'air bon, je vais m'en commander. Allez, tu sais, ouais. Oh, j'adore. Puis des fois, tu me déranges. Je dérange rien. La bonne femme, elle va y manger dans 20 minutes. Là. Oui, mais tu me déranges un peu. Là. Ouais. Tout le temps, là, venez m'avertir qu'il y a eu un touchdown sur la game du jeudi soir. Là, je suis comme, ça va, même. Ça a l'air bon, votre vie en général. Elle qui est dans le bureau, la fille ASMR de crevettes, puis lui, il y a un touchdown! Je le vois de même. C'est exactement la jeune avec les broches qui dort de 2 ans dans le lit. Le truc le plus drôle que j'avais jamais réalisé ça, c'est mon ami Jessu Surette, qui est un humoriste puis qui a un super sens d'observation. Puis je l'ai invité à écouter le football. Puis il m'a dit, juste à dire, moi je vais écouter le football, oui je t'aime, c'est pas ça, là, mais je viens pas ça pour ça, je viens voir ta fille. Hein? Puis là, il m'a amené un truc. On écoute le football, je me lève debout, je crie, puis lui il était mort de rire, puis il fait, qu'est-ce qui est drôle? Il m'a dit, t'as pas remarqué, mais ta fille est juste rentrée dans la pièce, puis elle s'est assise, puis elle écoutait le football. Pour elle, c'est normal que tu te lèves debout, que tu cries, parce qu'elle a pas réagi. Pour elle, ta fille, elle trouve que t'as des comportements normaux de juste crier, parce que Tom Brady a fait une passe de toucher un jeu de soir. Fait que lâche pas. Mais en même temps, c'est la meilleure manière, plus tard pour elle, de vivre dans des conditions horribles de comme... Ben non, mais. C'est vrai. Elle va avoir vécu son enfance avec nous autres. Non, mais tu sais. Mettons, moi, là, je peux pas aller au Costco le samedi. Je peux pas aller là. Moi, j'ai besoin d'être seul très souvent. Je comprends. Elle, quand il y aura pas de bruit, elle va faire là,
monte le son de quelque chose, Asti, ou elle va t'appeler. Non, non, mais, j'ai ma... elle s'occupe du bruit. Ma... Elle m'imite, ouais. Là. Oui. C'est ça. L'autre jour, la blonde à mon frère, elle a dit la meilleure affaire. Elle dit, tu sais, elle commence à avoir une personnalité, elle a 2 ans et demi, tout ça. Quand elle rit de même. Puis là, elle a dit, c'est parce qu'elle est habituée à vous autres qui rit comme des psychopathe. Ah, fait ouais. Qu'elle pense que rire normalement, c'est rire fort de même. Il la rentre au primaire. Vous allez avoir des estis bonnes histoires. Tu sais, là, des fois, là, tu peux avoir comme des lives de ton enfant dans le cours. Là, nous autres, ça va être cinglé. Non, non, ça va être. Non, non, j'ai peur. Ah non, moi, j'aimerais ça. Non, non, je pense que. Toutes les petites filles sont comme. Ah, je pense qu'on va se faire dire par l'école. L'école à la maison, ça peut être bien hein, pour certains enfants. Ça peut être. Son jouet préféré en ce moment, c'est une mini sandwich au fromage. J'ai beaucoup d'applaudissements. Ouais. Puis si tu y enlèves, elle a plus de repères. Adore avec, adore sur le dos, puis elle se la met sur le chest ici. J'aime tout ça. Je la comprends. Ouais. Non, mais c'est magique. Hey, moi, je jouais, là. Tu sais, on avait des jeux genre de. Toutes les cartes sont revirées. Hostie, OK, ça, c'est un burger. Faut que tu retrouves le burger. Moi, mon jeu, c'était juste. Je les étalais face, puis j'étais comme. Je gardais les burgers, bon, la laitue, les légumes. Mon jeu, c'était juste de séparer les images qui étaient à moi. Puis après ça, j'étais assis au service de garde, puis j'avais mes images à côté. Puis c'était juste ça, mon jeu. C'était mes affaires. T'avais fait ton menu. Ouais, mon menu, mais j'avais comme tout ce que j'aimais là. Puis on se pognait, là. Excuse, t'as pris le tacos, hein? OK, je te donne une pizza, puis Doritos quand t'as le tacos? Non? Oh, c'était ça, le jeu, là. C'était que ça. Tu fais de la grosse business, hein? T'as rien à faire. Ouais. C'est vraiment, t'es devenu un artiste, mais. J'étais un entrepreneur au J'adore. Départ. Ouais. C'est extraordinaire. Aussi, que. Qu'est-ce que j'allais dire à propos de notre fille? J'avais oublié. Oh, pas grave, mon amour. Elle crie beaucoup. Ça, c'est ça. Ah oui, j'allais dire. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire. J'apprends des phrases qu'elle devrait pas dire. Et ma phrase préférée, c'est quand j'écoute le football, puis que je gâche le football, j'ai fait dire on fait de l'argent! Et je veux qu'elle dise sa garderie. Ouais, fait que qu'est-ce qu'on fait? La réponse, on fait de l'argent. Ouais. Les mains de même? Ouais. Ah, j'adore ça. Picsou. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ouais, des fois, elle aime pas ça, mais quand elle est pas là, je fais toucher de l'argent. Ah! Attends! Viens! Ouais. Un vin, ouais, touché. La touche, la j'enlève. Touché. Plus de vin. Plus de vin. Un 5, touché. OK. Ouais. Un 100. C'est quoi la différence? Ah ouais, j'adore tout ça. Ouais, je fais toucher de l'argent. Mais est-ce que tu viens de l'apprendre? Que je savais pas qu'il faisait toucher de l'argent. Moi, ce bout-là, à côté, genre du pot de change, viens. Moi, j'adore. Ça, je m'adore me lever avec notre fille qu'elle adore. Je suis comme, OK, on va apprendre les affaires. Là, je suis 2 heures pendant que l'autre est couché. Oh, on va apprendre wow. Mais ce matin, ça, on a lu À l'Ouest, rien de nouveau. Ah, je vous ai entendu. C'était quand même cute, ça. À l'Ouest, rien de nouveau. C'est un roman qui se passe à la Première Guerre mondiale du point de vue des Allemands sur les tranchées. Mais moi aussi, j'ai fait ça avec elle l'autre fois. Lire un roman, puis elle aime ça. Elle t'offre un bon 2-3 pages. Puis je suis comme, voyons. Moi, j'écoutais de la lutte. Là, j'avais 1 an et demi, 2 ans. Puis ouais, la vraie, la violence. Ouais, vraiment. Puis j'écoutais ça. J'étais comme, OK, très bien. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la violence ne m'intéresse pas. Du tout, du tout. Il y en a qui trippent sur. Ben, c'est pas vrai. J'ai quand même des katanas. Je sais que tu trippes pas sur posséder des katanas. Moi, c'est un gag. Non, mais la violence, tu sais, les armes, c'est pas quelque chose qui vient me chercher du tout, du tout. Même dans le sport, j'ai pas cette espèce de on va se battre, la boxe. Non, moi, je préfère quand c'est super. Il y a un côté très stratégique, très. On décortique le sport, m'intéresse. Le coach, mettons, dans le sport, ce que j'aime le plus, c'est le coach puis tout ce qui est en haut. On va bien s'entendre. Après ça, je suis comme, ah, asti, le gars qui court vite, très bien. Mais moi, je veux que le gars qui dit de courir vite, je veux que ça soit un asti génie. Ouais. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il a écrit sur son pad, là? T'as genre 53 ans, ouais. Les doigts pleins de sauce d'ailes de poulet, puis tu dis à des jeunes qui sont dans leur prime, ouais. Qui peuvent faire. T'es pas assez rapide. Tu leur dis ça, puis les autres font comme, ah, faut que j'écoute le coach. Ça me fait capoter. Le coach des. Je pense qu'il coachait les Chiefs. Andy Reid, il est obèse. Il crie son ventre. Ouais. Il a l'air d'une bébite dans Star Wars. Et ce gars-là, il gère 40. Ils sont combien au football? 43. Il gère 53 types qui sont dans leur prime, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui ont l'argent. Ils peuvent le battre. Ça me fait... Mais il y a un respect aussi incroyable là-dedans qui me fascine, mais ça, je trouve ça vraiment impressionnant, les coachs. Puis tu sais, c'est... T'es celui qui est le plus haï ou le plus aimé, puis ta job,
Tu sais, jamais ils vont dire « Hey, Caulfield, t'as pas scoré à soir, fait trois soirs, va-t'en chez vous. » Ils vont jamais dire ça. Ils vont l'échanger au pire. Il va toujours avoir une valeur, mais un coach, c'est comme « Hey, t'es seul, ta responsabilité. » Par contre, t'es le seul qui a un contrat garanti. T'es le seul que s'ils te mettent dehors, ils donnent tout ton salaire. Ouais. Ou une grande partie de ton salaire. Ouais, mais il faut quand même tailler en tabarnak, que je suis prêt à payer 3 millions. Là, ah non, c'est bien plus. C'est bien plus. 49, 53. Oh, ils sont... Il y a un coach qui a été congédié il y a deux semaines, que tu as choisi. Je pense qu'ils doivent 49 millions, ils vont le payer. Ouais, imagines-tu à quel point je préfère... C'est milliardaire. Ah ouais, mais reste que... Ces gens-là se rendent à des milliards parce que justement, ils trouvent des manières d'en trouver, là, tu sais, mais... Tu deviens milliardaire à ne pas dépenser beaucoup de... Ces gens-là, il y a des raisons pourquoi il y a des milliardaires, mais il n'y en a pas. Là, c'est pas comme moi. T'es en train de dire que la solution, c'est d'être cheap, mon amour? Dis-le à la caméra. Il est cheap. La solution pour être milliardaire, c'est usurper les autres. Il est cheap niveau, il fait toucher de l'argent à notre fille puis il enlève des mains après. Mais moi, ça me fait buzzer le bout où il fait toucher de l'argent. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on connaît toi, Thomas, mais ça, là... Ça me fascine. Ils vendent des jeux pour que les enfants développent leur sensoriel, de la pâte à modeler. Le jeu rentrait forme dans le truc, elle, c'est juste des vins dans le guichet. Tout de l'argent. J'adore ça. Tout de l'argent, c'est une carte de crédit. Tout de l'argent. T'as-tu hâte d'avoir accès au crédit? Bientôt, je vais faire couper des lignes. Qu'elle sache, moi, ça marche. C'est bon. C'est très bon, ce bout-là. Les elle est mal, cette petite fille-là. Non, je pense pas. Moi, je pense que vite, tu vas te rendre compte qu'elle va être supérieure à toi. C'est déjà fait. Ah ouais, hein? Ouais. Mais imagine plus tard. Elle me domine déjà, elle me dit beaucoup « attends ». Elle me dit souvent quoi faire. Puis j'ai dit « oui, hier, on l'a vécu ». Elle me disait « je sais pas ce que je faisais ». Puis elle me disait « attends, arrête ». J'ai dit « tu vas pas me laisser, c'est moi qui paye l'hypothèque, fait que je vais faire ce que je veux ». Puis elle a fait « t'as raison, d'accord ». Puis elle a continué à dessiner. Ouais. J'adore ça. Déjà, j'y inculque. C'est moi qui paye pour elle. Je sais pas si hier, je me souviens plus quel mot tu voulais y apprendre, mais ça avait pas de calice de sens. Puis là, j'ai fait Thomas, non. Puis elle s'est retournée, puis elle a fait Thomas, non. Ouais. Fait que là, on est rendu deux. Ah, j'adore. Non. Mais en même temps, tu sais pas ce que ça va donner, nos parents. Là. Je veux dire, moi, mon père, il a été élevé à grands coups de claques de sœur dans des couvents. Puis genre des. Non, moi, je fais rien de physique. Non, mais c'est ça. Là, tu sais, je veux dire, ton bout de touche de l'argent, je pense pas que ça peut être pire que se faire crier après par un gars chaud qui rentre de l'usine. Là, tu sais. Non, c'est ça. C'est anecdotique puis c'est différent. Là. C'est pas une claque de. Ouais, c'est ça, pareil. De règles. Nos parents, le Québec a été forgé à grands coups de. Oui, tout le monde est mystérieusement droitier. Hey, tu sais, il y avait beaucoup de mères qui mouraient en couche. Là. Fait que, tu sais, la plus vieille avait 12 ans, elle devenait la mère, puis des fois... Un truc que t'apprends super vite avec les enfants, c'est que c'est vraiment efficace, crier, puis la violence. C'est ça qui est aussi... C'est vraiment triste, mais c'est vrai. Oui, je comprends. Puis tu sais qu'il faut pas le faire, fait que là, tu trouves plein d'autres façons de l'enligner. Ça marche, ça, la frustration d'être parent. C'est que tu fais, si là, je criais, puis j'y faisais mal, tout irait bien. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est comme un. Ce qui est terrible, c'est que ça marche. Si. Ouais, puis tu te dis, mais plus tard, je vais mourir. Oui, c'est le propre problème. Une fois, je me suis dit, je crie-tu, là? Puis je me suis dit, par contre, peu importe ce que tu fais, elle va avoir des traumatismes. Fait qu'au moins qu'elle a un traumatisme qui fait que je dorme ce soir, Calice. mais je l'ai pas fait. Ouais. Ben non, ben oui. C'est le plus difficile de la violence, c'est que ça marche. Ouais. À court terme. À court terme. C'est super, moi. Mais c'est pareil! Ben oui, je comprends! Mais le pire, c'est que tout le monde, présentement, qui fait un genre de « il se dit, il a raison ». Je sais pas si j'ai raison, fondamentalement, oui, mais il y a une... je pense que oui. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est malheureux. C'est ce qui fait qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a d'autres méthodes, c'est qu'on a toujours utilisé ça. Mm-hmm. Puis si on a toujours utilisé ça, c'est parce qu'il y a une raison. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, on est comme, on ferait peut-être changer les trucs un peu, là, mais reste que ça a marché depuis l'époque de tout le temps. Puis aujourd'hui aussi, Ouais, aujourd'hui aussi, il y en a qui continuent. Parlant de violence. On enchaîne avec le sexe. Mesdames et messieurs, c'est le segment des dates présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie est un sex shop. Tu peux acheter ce que tu veux pour te masturber, pour faire l'amour, pour mettre du piquant dans ta vie. Utilise, s'il te plaît, le code promo COUPLE15. Non seulement tu fais 15%, ils savent qu'on vous a envoyé. Ils nous aiment, on a un bon rapport avec eux. On peut continuer. Vu qu'on a un bon rapport avec eux, j'ai un bon rapport avec Steph, elle jouit, tout va bien. Toute notre relation dépend si on s'entend bien avec elle. Voilà, aussi. De rester compagnie. Si vous ne faites pas un couple 15, elle ne jouit pas. On va lire des dates, il y a des gens qui nous écrivent, des auditeurs. J'ai ri qui comme nous notre fille.
Ils décrivent des dates de manière anonyme. On rit d'eux et on s'amuse. Mais juste avant, il reste compagnie. Un cadeau. J'ouvre le cadeau. S'il te plaît. Malade. Merci, Eros et compagnie. Oh, il y a deux trucs. On va commencer par celui-là. Oh! Intimité, du lubrifiant à base d'eau. Ah oui, important. Pour que ça rentre. Oui. Ça, c'est pour le crossage. Là. Oui, pour absolument. Ce que tu veux. Oui. Pour la pénétration. Les femmes préfèrent à la base d'eau pour la pénétration. Ah ouais? Ouais. Ouais. Parce que ça fait moins... Mais je pense que pour les jouets, c'est bon. Puis pour le pH interne de la femme, c'est bon. Ouais. Moi, je... Pour les filles, qui... je suis pas sûr que c'est une bonne question, mais... Ah oui, oui. Tu peux lubrifier. Qu'est-ce que tu veux lubrifier? Non, non, c'est pas... C'est-tu quoi? En sexe, c'est pas de mauvaise question. Mais, c'est que des mauvaises parce que c'est une question que je suis supposé avoir la réponse depuis souvent, puis je l'ai jamais posée. Puis là, ça se peut que ça vienne, mais le lubrifiant en général, là, est-ce que ça arrive que ça picote? Tu sais, mettons, pour nous, non. Tu sais, parce qu'il y a comme un armure, mais dans le vagin, ça picote-tu? Ça l'a jamais picoté dans le vagin. La question de Charles-Antoine, c'est parce que tu n'utilises pas le lubrifiant à base d'eau. La base d'eau. OK. Ça picote. Qu'est-ce qui se passe avec les filles qui te couchent? Ça picote? Non. Elle dit après, ça picote? Non, c'est parce que, mettons, là... Pas mettons, il n'y a pas de mettons, c'est arrivé. Là. Non, mettons, là, il y a une fille. Ce que je t'ai dit, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très nerveux, je me ronge les ongles. OK. Et puis quand je mange des chips salés vinaigre, ça pique. Quand tu as dit « je mange », je pense que tu as ça pique où? Ça pique les doigts? Les ça doigts. Pique... Les doigts, des fois, là, tu sais, mettons. OK. Fait que là, je me dis, dans le vagin, faut faire attention à, tu sais, mettons... Utilise pas du vinaigre comme lubrifiant. Non, je dirais pas ça, mais j'étais comme, est-ce que ça arrive des fois que le lubrifiant utilisé est comme moins le fun dans le vagin? Ah, j'ai... Ben, mesdames, ben, oui, la section... Oui, je pense que c'est ça. Mais pour vrai, c'est une joke, mais c'est pas une joke. Mais pour vrai, c'est pour ça que les lubrifiants à base d'eau. Oui. Mais c'était pour ça, ma question. Ouais. Tantôt, quand j'ai dit ma question, puis il a dit « Ah, oh, n'importe quelle question! » Puis là, il capote. Je capote pas, mais c'est faux. Mais mourir de rire, quand tu as commencé... Tu sais, quand je mange des chips au vinaigre, quoi? c'était bon, ce bout-là. OK, attends, il y a autre chose. Mais là, il va falloir m'aider. T'as un petit mot aussi, là, si tu veux le lire. Je vais lire le mot tout de suite. Eros. Eros et compagnie s'est dit que pour t'aider à garder ta bonne humeur contagieuse, rien de mieux que le happy. Bonne découverte, Charles-Antoine. J'aime déjà ça. Le happy. Je t'en prie, enlève le sac. Ah ouais. Ah oui, ça, tu peux pas être malheureux. Le ça. Happy. Oh! Ah! Sors-le. Attends, mais c'est quoi ça? Est-ce que je peux le mettre en ventouse? Exactement. Okay. Regarde, ouvre-le. Exactement. J'adore ça! Ah oui. Ah, je vais le déchirer. Tu veux l'ouvrir pour moi parce que j'ai peur de le déchirer. Il y a un côté bouche puis un côté vulve, si je me trompe vagin. Pas. Vagin. Tu rentres pas dans une vulve, sans un vagin. Oui, mais je veux dire, c'est que ça ressemble à une vulve, là, l'extérieur. Je t'entends. Oups, là, mon Dieu, il y avait OK. Chris, on dirait un micro Blue Yeti. J'adore ça. Mais là, je pourrais pas enlever le plastique tout de suite parce que ça va être rock'n'on un peu. Là. Mais, ah ouais, ça, tu... Exact. Dans la douche. Ouais. Ou dans le char comme un GPS. Dans le char. J'adore ça. Et ça, c'est quoi, ça? Je l'ignore. Ça, je pense que c'est pour garder la forme, pour pas que ça s'affaisse. Ouais, tu le mets dedans quand tu l'utilises pas. Non, c'est bien pensé. Ah ouais? Ouais, mais c'est bien pensé. Ça. J'adore ça. Puis là, on dit ça, puis on est complètement ignorant. On peut-tu le laisser comme ça pour que... Ben, pour que ça tienne, il faut que tu l'humidifies un peu, je pense. Ouais, puis vraiment comme le truc de GPS dans le char. C'est génial. Merci beaucoup, Eros. ça va être malade. Ça va être incroyable. Dans 2 heures. Êtes-vous prêt? Oui. OK, on passe. C'est une femme qui nous écrit. Séparée depuis plus d'un an, je ne veux plus rien savoir de la vie de couple. No way, plus jamais! Plus jamais. Depuis quelques semaines, un électricien d'un contracteur vient faire des jobs dans l'établissement où je travaille. On se jase ça et on se crouse. On se voit pour baiser 2-3 fois en plein couvre-feu. Mon Dieu, c'est allé vite. J'adore. Elle a compris. Elle a dit vite l'action dans l'histoire. Super. Alors, en plein couvre-feu, puis fuck la distanciation. On vient d'une petite ville du Nord et la pandémie n'est pas pantoute de quoi qui fait peur ici. Ah, oh, super. Cool, un petit truc politique, je crois pas. À partir d'un certain parallèle, ça compte plus. comme j'étais fragile côté sexe, c'était assez électrique entre nous. Je électrique, dirais... c'est un électricien. Oui. Mais non, mais la crise. Non, moi, je te respecte. Je l'ai trouvée bonne. N'écoute pas Steph. je dirais pas le top, mais j'ai eu bien du plaisir. Oh, come on! Bon, tu vois, tu la défends, là, corps et âme, finalement. Puis plus rien pendant des mois. Lui fréquente des femmes qui veulent être en couple. Moi, c'est clair que je veux pas ça. Attends, il fréquente des femmes... Des femmes...
Ah, qui veut. Moi, je pensais qu'il fréquentait des femmes en couple. Ça, c'est un autre. Ouais, ouais. Non, ben, lui, c'est juste. Il veut être en couple. Ouais. Ouais, c'est ça. Il cherche. Pas elle. Bon. Elle le dit okay. Plus jamais avec une majuscule. Puis, il revient au travail un an et on recommence à se texter et ça dure des semaines. Lui a envie de sexe intense. La fille qu'il fréquente, bien grand mot, il se voit aux 6-8 semaines selon les congés sans enfant. Fin de la parenthèse. Wow. She said it, tabarnak. OK. Moi, je veux pas. Il est en couple. Après plusieurs mois, je l'engage pour des travaux chez moi. Il vient... Tabarnak, qui a... Ben là... C'était gigolo rendu là. Puis il y a d'autres électriciens. Là, ben si oui! Il vient, est super fin, attentionné. Il veut du sexe. Ben oui. Je refuse... Chris! T'as passé l'étape qui était genre au bureau, ils sont là, là. Est-ce que tu y billes? Le bout que tu couches avec? Mais tu sais ça? Pourquoi il y a 4 heures de plus, calice? Fait que ça, c'est les pièces, ça, c'est le temps, ça, c'est OK. Je refuse de l'embrasser. Il revient après 5 mois. Mon Dieu, c'est comme tout le temps. Finir les travaux. Chris, 5 mois pour finir. Anyway. C'est pas le meilleur électricien. Ah, ouais, mais c'est la pandémie en plus. OK, en tout cas. Je succombe à ses bisous. On va dans ma chambre. Il éjacule dans ma bouche après 30-40 secondes. Il ne veut pas recommencer. Il est gêné d'avoir été si précoce. Imagine là. Around who? Tout de suite après, il parle de ton breaker. Il va falloir le changer. Là, ça fait... <t'sais>, Oh mon Dieu! Ah, j'ai une critique sur comment tu es mal installé. Ça va falloir que je round ça. Puis il a un blocage. Il ne veut pas de pénétration. Je négocie avec pour qu'il me fasse jouer avec ses doigts. Oui, il y a des gars de même. C'est pas trompé si je fais juste doigter des filles. Ah, j'y viens dans la bouche. Mais oui, oui. Mm. Des filles de même. Cas, bref, je négocie avec pour qu'il me fasse jouer avec ses doigts, sa bouche, de quoi. Il me touche avec ses doigts seulement. Je jouis. Je suis encore très fragile. Je viens en me frôlant dessus tellement que je suis excitée qu'un homme me touche après un an et demi. OK. Focal, rien d'autre. Elle est en manque, là, donc, Alice. Chris. Oui, oui. OK, on jase un peu, puis je veux recommencer. J'en ai pas eu assez. Ouais. Ben, calvaire, il se rhabille, puis là, il vient de se souvenir... Attends, il a doigté tout nu? Il vient de se souvenir qu'il a une blonde. Hostie! Eureka! Ça me frappe, là! En même temps, le gars qui prend un an et demi pour faire de l'électricité chez vous, c'est sûr qu'il a de la misère à se rappeler c'est quoi sa vie amoureuse. C'est ça qui est mêlé, hein? OK, j'ai-tu une blonde? Ça... Chris, on a 7 enfants! Ça me prend un an et demi finir une job! OK. Puis qu'il peut pas faire ça, que c'est pas correct. Mais non, il l'a fait. Fuck mais non, mais il l'a fait. Ça fait des mois que tu me gosses en texto pour fourrer, puis t'es même pas foutu d'honorer un minimum de ce que tu as écrit, dit-elle avec 3 points d'exclamation. Monsieur voulait jouir et l'a joui. Plus rien n'est important à Star. Calvaire, 30-40 secondes, puis le gars est bien heureux de ça. Il retourne vivre sa vie, puis c'est tout. Tabarnak, moi, tromper mon chum, je jouirais sur un hostitan. Ah, c'est bien. C'est bon, ça. Tant qu'à tromper, là. J'ai choisi. Non, mais je l'ai choisi pour cette phrase-là. C'est incroyable. J'ai tellement aimé ça, là. Tant qu'à Vegas. Non, mais t'es rendu. Tant qu'à Québec, on va aller voir le chant du Brontemac. Hein, on va aller voir. Tant qu'à avoir des remords. Hey, tant qu'à aller en Belgique, on prend 7000 piastres. Hey, un chat. Non, mais on fait les choses à 100% ou on les fait pas. Je suis de cette vie-là. Reste en Belgique, là. Tant qu'à avoir des remords aussi bien, avoir plein d'orgasmes. Ah, pas tard. Chris de gars, ça pense qu'à son plaisir. Fait que là-dessus, m'en va finir sa job avec mon womanizer. Pascal, OK, puis ouais. Mon vibro. C'est pas vrai que je vais me coucher frustré à soir. Ben, c'est une belle constatation à la fin. Tout le monde, oui, c'est cool les dates, mais si vous voulez juste nous écrire une colère que vous avez envers quelqu'un, on est tout oui. Ouais. Check les incels qui vont nous expliquer mon ex-femme, ma Chris. Mais... Ben moi, ce qui m'insulte le plus, c'est le bout d'il vient dans la bouche en 10 secondes puis il fait « That's done ». Il l'aide pas, rien. Ça me fait paniquer. Ben, tu peux pas aider quelqu'un à avaler là, ou à cracher. Il l'aide pas. Ouais, c'est vrai qu'il y avait l'option d'avaler, je l'avais oublié. Ouais, là, je sais pas comment. Tu sais, comme une maman oiseau, là. Ah non. Elle est capable seule. T'es mieux de même. Excuse-moi. On a une date, je pense, pour toi. Okay. Parce que c'est étrange. Je pense que c'est le genre d'affaires qui se fait. On va voir. Ça se fait pas rire. OK. Hey, juste vous dire, moi, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes de lecture. Ouais. De lecture. Okay. Fait que ça se peut que ça revienne. Je suis dyslexique au bout. Là. OK, on va t'accueillir là-dedans. Non, je peux l'aller. On t'accueille là-dedans.
Je... OK. Non. Ça s'appelle... c'est moi qui l'ai mis, il faut pas... Okay. Ça, c'est les titres à Thomas qui sont des fois erronés, en plus. Fait que... Ouais, des fois, c'est pas ça. L'autre jour, il a écrit « Date de la lesbienne », puis c'était un dude qui datait des filles. Là. Ça avait pas rapport. OK. C'est plus « Mes souhaits » que j'écris en vrai, c'est ça. J'ai hâte de voir c'était quoi, ce souhait-là, en tout cas. OK. J'ai été invité à un show à la SAT par un couple d'amis qui avait un billet de trop. SAT, je sais pas ce que c'est. La SAT, c'est proche du Club Soda sur Saint-Laurent. J'arrive là, il semble qu'un ami... C'est que tu ne tripes pas sa musique électronique, c'est juste ça que tu viens de dire. Non, exactement. C'est ça. J'étais un gars de classique. Là, tu peux. Le gars qui est couché à 9h, ça se peut qu'il n'y ait pas à ça. C'est possible. J'arrive là, ils sont avec un ami à eux que je ne connais pas. Le show se passe, on s'entend bien, le gars et moi. On finit la soirée chez moi pour un dernier verre, même si on était déjà sérieusement sous. Yeah. On boit une bière, on jase dans ma cuisine, dans mon salon, puis on passe à la chambre. Tout se passe bien au lit, on fait ce qu'on a à faire et on s'endort. Wow, tout va bien. Dormir avec quelqu'un la première... Moi, j'ai de la misère avec dormir avec quelqu'un la première fois. Ah, vous irez bien ensemble. Mais moi, ça me dérange pas de dormir dans le même lit, c'est juste décolle, calice, oui, fini. Ben oui, Chris, ça, c'est de un. Là. Ah, ouais. J'ai froid. J'ai chaud, puis en plus... Tu sais, quand la personne respire, puis tu le reçois d'en face... Moi, j'ai des grosses narines. Cool. Ouais. J'en peux plus. Moi, je fais de l'apnée du sommeil. Je parle dans mon sommeil, je bouge dans mon sommeil. Fait que c'est que dans le même titre de conversation que tantôt, là, de comme c'est quoi ta date life, moi, ce bout-là, il faut que ça soit clair. Là. Quand je dors, c'est une affaire. Là. Fait que, c'est un show. L'autre si show commence comme, quand tu dors. Ben, moi, la lumière du cadran me réveille, ben ça le fera pas. Ben, je fais genre puis je me dans la nuit. <là. rire> Puis quand je dors avec des gens, je suis tellement nerveux de le faire que je suis comme toujours dans un état semi-conscient. Puis quand je fais, je me dis, Chris, la personne s'est rendu compte, fait que je fais semblant de rire pour faire comme, non, c'est, je ris. Je pense que... Fait que je fais, parce que rire dans son sommeil, c'est normal. C'est encore plus terrorisant, si. Fait que ouais, dormir avec moi, c'est ça, amène ton lunch. OK. Vers 10h AM, je me lève pour aller aux toilettes. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon four est flippé face contre terre. Ouais. Oh, photo à l'appui. Il y a une photo. Ah. OK. Es-tu là? Mais malheureusement pas. On l'a pas, okay. Ouais. Ne pas imprimer une photo d'un four face contre terre. Excuse-moi. Oh, on n'a pas mis 90$ d'encre. J'avais adoré. Excuse-moi. Man. C'est drôle, ça. OK. Je suis complètement confuse. Je regarde le four, perplexe. Je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur le coup, j'ai pensé que je m'étais fait voler puis que les voleurs ont renversé le four, un peu comme un vol signature, genre les casseurs flotteurs dans Home Alone. Tu sais, qui partent l'eau. Chris, elle l'a dit, puis moi, j'étais dans ma tête. Elle fait référence les casseurs flotteurs dans Maman, j'ai raté l'avion. Oh, connexion! Oh. Connexion. Je fais le tour de l'appartement. Rien n'a été volé. Je vais donc réveiller le doute. Je lui demande de me suivre. Je lui montre le four et je lui demande « C'est toi qui as fait ça? » Aussi confus que moi, il me répond que non. Je lui demande de m'aider à relever le four qui est lourd. C'est un four, calice. Comment ça a pu être renversé? Comment ça, j'ai rien entendu? Nous voilà donc tous les deux à poil, moi avec les seins en pis de vache. C'est la manière la moins agréable de décrire un sein. Ouais, mais tu sais, quand tu te penches puis qu'il pense, c'est... C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Les des choses, fois, la forme, elle, c'est ça. Ouais. Fait que moi, avec les seins en pis de vache à remonter un four à la verticale, une chance, le four est top shape. Une chance. Phew. Vu que je devais partir, il finit par se rhabiller et quitte. En après-midi, je vais à une fête d'amis et je raconte mon histoire à tout le monde. Les hypothèses vont de bon train. Tu parles de rien d'autre. Ben, Chris, honnêtement, moi, d'après moi, ils ont été trop sous puis ils l'ont renversé. Là. Vous avez baisé sur le four, il a renversé. Ben okay, non. OK, comment tu fais ça? Elle s'assoit sur le four, lui, il a faux, puis quand il veut la débarquer, le faux. Ou l'inverse. Le gars est assis sur le four, la fille est assise. Mettons, tu sais, là, moi, le four, j'ai juste comme les fesses d'à côté dessus, ouais. Mais je suis assis. La fille est par-dessus, puis là. J'ai crié fort. on tombe avec le four. Puis ouais. On va se recoucher. Ouais, on fait... Ouais, sûr, c'est vrai. Moi, mon hypothèse, c'est tu fumes en dessous de la hotte. Puis maintenant, tu fais... Tabarnak, c'est quoi mon
mon esti de vie, tu fumais en dessous de ma crisse de hotte après une mauvaise baisse, puis tu colles ton four à terre. Ou tu voulais vraiment fourrer à l'endroit où le four était, fait que tu l'as tassé pour fourrer là. J'aime ça, parce qu'il n'y a rien de mieux que de baiser dans la poussière. Non, mais c'est ça, t'es comme plein d'énergie après une bonne baisse, puis tu fais, c'est le temps de le laver le derrière du four. Depuis qu'on a emménagé, on ne l'a pas fait. Ouais, je comprends. Ouais. OK, c'était bonne hypothèse. Mais eux, les hypothèses, c'était vous avez baisé, le four a renversé. Ben non, je m'en serais rappelé. Voyons, je me rappelle de toute la soirée. Aucun blackout, c'est sûr qu'on n'a pas fait ça. C'est quelqu'un qui a les clés qui a fait le coup. Là, fait en parenthèse, non, les seules personnes qui ont mes clés sont à la fête, donc ils me jurent tous que ce n'est pas eux. Le four a juste tombé vers l'avant. Ben non, voyons, ça ne flippe pas de même. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé de l'histoire. La seule possibilité, c'est le gars. Mm-hmm. Puis c'est vrai. Peut-être que, moi, vite de même, là, peut-être que le gars, c'est le genre de gars qui se promène en pick-up là, plein de ferraille, là, tu sais, là, puis qu'il avait vraiment besoin d'un piece de four. Là. Il a coupé! Mais ben, eux autres, ils naissent pas à 62, là. Ils se rendent à ce moment-là. Là. Ils se rendent à ce moment-là. C'est le gars qui tripait sur l'Adtronic au secondaire. Là. C'est cet style-là de Steven. Là. Ils ont possible. Déjà eu 23 oui, ans, ces gars-là. Pire que ça, ils ont déjà eu 6. Ils ont une passion. Oh, mon Dieu. J'appelle le couple d'amis qui m'ont invité au show et je leur demande de me briefer sur le dit dude. Excellente décision. Mm-hmm. De qui ce gars-là, man? À qui j'ai couché? Ils sont, un, traumatisés et crampés de mon histoire, et de deux, me disent que ce n'est pas possible. C'est le genre de gars qui fait des affaires. C'est pas... Impossible. Que ce n'est pas impossible. Ouais, excuse, le bout de dyslexique. Ouais, ouais. C'est le genre de gars qui fait des affaires bizarres. Bref, à ce jour... mais pourquoi? Tu sais, ce qui me déçoit, c'est que... Yo, monsieur, man! Il reste trois phrases. Mais Chris, c'est le genre de gars qui fait des affaires bizarres. Ça existe du monde de même. J'ai déjà été de même. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui. Ouais, je comprends. Ben oui, on existe. On fait ça. On baisse quelqu'un, on renverse le four. Puis on fait, ah, je comprends pas. Ben oui. Ben oui, je le connais, ce gars-là. Je suis ce gars-là. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se souvienne de moi? Ben, pour vrai, je dormirai pas. Parce qu'on n'aura pas la réponse. On a la réponse, c'est ce gars-là. Puis c'est quoi qui va se dire? Moi, j'ai ma réponse. Moi, j'ai foi. C'est de la foi. Ma foi, cet homme-là, il fait ça, puis souvent. Il fait des affaires bizarres. Ouais. Asti a un lien avec l'électricien, par exemple. Il y a peut-être un lien. Il l'a débranché. Elle, va falloir qu'elle colle un électricien. Part 2, oui. Baby. Part 2. Peut-être c'est chez une fille. Débranche son four pour les cœurs. Le gars, il va venir pendant un an et demi de temps chez vous. Essayer de replacer pour un aspect. Parce que la prise est compliquée. Oui, c'est une grosse plug différente. Ben oui. On dirait que tu plugs l'Enterprise. OK. Bref, à ce jour, toujours pas de réponse. J'ai jamais reparlé au gars. C'est un vrai mystère. Depuis ce temps, mes amis et moi, nous référons à lui comme étant le Oven Flipper. Ah! Oh. Flipper, j'aime Flipper. Ça. Love Flipper. It! Je suis sûr que c'est lui. Ah, mais ça me... Pour vrai... Hey, on dirait un Agatha Christie, genre. Pareil, mon mais amour. Mais comment est-ce qu'elle a... C'est sûr que cette fille-là a plus de réponses que nous autres. Tu elle penses qu'il manque des éléments? Elle a tout donné. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, toi, ça vous arrive à vous autres? Ouais. Ouais. Moi, le lendemain... Moi, je check ses mains. Check ah oui, moi, j'ai dit, montre-moi tes mains. Non, moi, faut qu'elle sorte de chez nous. Ah? Mettons, je soupçonne quelqu'un d'avoir renversé mon four. T'es en retard. Faut que tu y ailles. Non, va-t'en. Tu es en retard à quelqu'un. Faut que tu sors d'ici. Ah, mais moi, j'ai pas peur, mais je suis comme... Explique-moi le raisonnement, le bout du four. Moi, je pense que si dans la vie, tu flippes des fours, il y a aucun raisonnement qui va me... Tu pourras pas avoir une discussion logique avec quelqu'un qui flippe des fours la nuit. Mais non, jamais. Hey, ça fait des liens, on va en parler. On n'a pas la réponse. C'est sûr que cette fille-là a comme un peu plus cherché. Tu peux pas te recoucher le soir en faisant l'épisode du four. Chris, il y a une araignée dans ma chambre, ça fait trois jours que je dors pas parce que je sais pas où. La voix est rentrée. Ça me fait capoter. Le laisser aller, il y a des gens qui ont cette force-là. Ah, je suis, ouais. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai vécu dans des conditions. C'est ça qui est ça. Moi, des fois, il y a des affaires qui brillent chez nous. Puis je sais pas, j'ai eu besoin de ça, tu sais. Moi, je suis longtemps. Ah, pas de savon, mais on avait du savon à vaisselle, puis c'est correct. Ça n'a pas de lien avec l'époque où tu étais toxicomane. Un peu plein. Il y avait un gars avec qui j'allais à l'école de l'humour, puis je vais te le nommer après. Ce qu'il faisait, lui, là, dans son appart, il pissait dans un coin des murs parce que ça ne tentait pas de se rendre à la toilette. Oh mon Dieu! Ouais! Puis il était comme, ben c'est pas moi le propriétaire, il se met en crisse, il pissait dans un coin de mur d'appart. Oh mon Dieu, moi j'ai déjà habité dans un immeuble où il y avait un ascenseur, un seul ascenseur. T'as pas fait de l'école avec Johnny Bernacchi. Hein? C'était...
un ascenseur, puis un moment donné, il y a du monde qui ont été coincés la nuit, il a bloqué, puis ça a pris du temps avant que les pompiers viennent libérer la personne et tout, puis le lendemain matin, il y avait une osticerne dans le coin, puis là, moi, mon chum à l'époque, puis en plus, c'est sûr que si c'était la nuit, il revenait d'un club, d'un bar, il a pissé dans le coin. Non, non, il nous a dit qu'il a échappé sa bouteille d'eau. Je suis comme là. Franchement, non, je ne peux pas croire ça. C'est sûr qu'il a pissé dans le coin, nettoyer le tapis. Il n'y a rien de gênant à dire. Est-ce que j'ai été pris fucking longtemps dans un ascenseur? Ben oui, c'est un peu gênant. C'est pas rien gênant. C'est un peu gênant. Un peu. Ouais, est-ce que toi, tu dirais. Pas rien. C'est pas comme. Tu dirais-tu la vérité ou tu mentirais? Tu dirais-tu c'est ma bouteille d'eau que j'ai échappé? Je dirais bonjour, mon urine, je l'ai faite. Let's go. Tu mentirais-tu? Serais-tu capable de dire genre un immeuble de 52 logements? Ben, je pense qu'au départ, si j'avais eu à pisser, j'aurais essayé de viser la petite craque de porte, là, tu sais, là. Pour essayer que ça. Pendant que les pompiers sont là au bord! C'est moi qui vous l'envoie à l'eau. Venez me chercher! Hey, mais une anecdote de pisse hilarante, puis je sais pas si ça va être hilarant. Ils sont toutes bonnes. Moi, j'ai une sœur handicapée mentale, déficiente intellectuelle. Ça part fort. Ça part fort, puis tu vas l'adorer. Parce que c'est le genre de déficience intellectuelle qui est pas assez grave pour que ça soit triste. Okay. C'est juste... Elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Okay. Elle profite beaucoup du fait qu'elle est handicapée. Genre, si elle a pas le goût... Tu sais, elle a comme son mini-appartement dans le sous-sol chez mes parents, puis c'est comme... à vie chez mes parents, à monte, à bouffe, puis ils sont comme « Chris, tu fais des épiceries puis tout, j'ai pas envie de cuisiner. Je suis handicapé, là. Vous allez me faire un souper. » Elle est extraordinaire. Ouais, ouais. Puis, mettons, elle tripe ses... Mettons, elle, là, même rapport que moi avec l'argent, elle demandait, elle voulait s'acheter des bracelets de cheville. Elle s'en a acheté 8 chaque cheville. Elle est arrivée, elle avait des bracelets jusque-là. Tiens, bracelets de cheville comme le monde. Ouais. Réglé. Puis elle, à un moment donné, quand j'étais jeune, tu te rappelles l'histoire de la croisière, je t'avais dit que j'avais fait des croisières avec mes parents. J'avais comme 8-9, tu sais, on faisait une croisière dans le sud. C'est ta soeur aînée? Ouais, okay. Vraiment beaucoup. Là. Okay. J'avais 8-9 et elle avait peut-être 30. Là, c'est grotesque comme une croisière. Ouais, ouais, c'est t'es là, puis c'est comme... il y a beaucoup de monde avec des perruques, puis qui sortent avec des personnes beaucoup plus jeunes qu'eux autres. Moi, j'ai compris une croisière, c'est des gens qui aiment aller au casino. Ouais, ouais, vraiment, là, vraiment. C'est vraiment une affaire de gambling. Puis nous autres, c'était juste parce que... Si t'aimes pas jouer, t'aimeras pas... Je pense que pour les enfants en bas de 10 ans, c'était comme 160$ pour la croisière. Fait que mes parents ont fait tabarnak, on va aller faire ça. Ils n'avaient jamais fait, t'sais. Elle va à la piscine à vague, là, puis moi... Ouais, c'est ça, les glissades. Ouais, exact. Puis il avait amené ma soeur aussi, parce qu'ils peuvent pas la laisser seule chez nous, parce que si elle est seule chez nous, elle appelle des gars pour faire le sexe. Puis souvent, ces gars-là sont pas handicapés. Ils sont juste bizarres, puis là, ils arrivent, puis ils font « Oh, shit, elle est plus bizarre, puis là, ici, ouais, ouais. » Ouais, ouais, c'est elle, elle tripe sur le sexe. Okay. Comme tout le monde, c'est très agréable. Ouais, ouais. C'est ça, ouais, c'est, oui, on peut comprendre. Non, mais... Fac, tout ça pour dire qu'on est en croisière, puis tu sais, il y a des, je pense qu'on appelle ça des géos, là, genre des animateurs de foule, qui sont comme « OK, on danse! » Et ma sœur en trouve un de son goût. Génial. Mm. Mais comme dans... Elle passe la croisière à juste toujours le même le local. De quand il danse, tu sais. Il fait « OK, step one, step two. » Pourquoi faire autre chose? Là, que ça. Ben oui, pas genre de piscine, pas des spectacles, pas d'excursion, que ça. Au point qu'à tous les jours, elle revenait les pantalons pleins de pisse parce qu'elle voulait pas quitter du regard ce type-là. Fait qu'elle se pissait dans les culottes. Oh, puis le soir, God. Elle revenait. Quand il avait fini son chiffre, bonne journée. Elle revenait, elle changeait. Et voilà. Elle se pissait dans les culottes parce qu'elle voulait jamais le lâcher du regard. C'est l'amour. Non, c'est le sexe. C'est la libido. L'amour. C'est pas l'amour, ça. C'est la libido, puis ça. À tous les jours, on était là, je pense, 12 jours à le pisser dans ses culottes à tous les jours. Oh, ouais. Ouais. Ma mère, elle capotait. Elle était comme, là, tabarnak, débosse, là. Elle tripait. Ça, c'est du désir. Ouais. Ah, elle a tripé. Il y a pas ça dans les poèmes de Baudelaire. Hein. Je t'aime tellement que je me pisse dessus. Je veux pas quitter ton regard, Resti, au fait point de... Imagine le gars géo qui est comme... Oh, shit. Ouais, non, moi, c'est surtout... Ouais. Oh, OK. Ouais, okay, mais wow. Elle mangeait pas beaucoup parce qu'elle restait là tout le long, fait que sa pisse devait sentir assez rire. J'aime que tu réfléchisses à ça. C'est génial. Ouais. Oui, mais c'est ça, mais si tu t'hydrates pas, puis t'es super concentré, ta pisse, là. Ah, pas tort. Ouais, mais elle boit beaucoup d'eau, par exemple. Ah, okay. Ça, c'est bon, elle ça. Elle boit beaucoup, beaucoup d'eau. Elle a un camelback avec une paille, tu vas être sûr de te faire pendant 8 heures. Oh. Ouais, ouais, exactement. Franchement. Oh non, c'est trippant. C'est mon anecdote de pisse en croisière. Et c'est bon. Une dernière petite date, parce les gars. Ben oui. OK, elle est longue, mais on est capable. Pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. OK. Salut Tom, Steph et l'invité. L'invité ER. Fait que c'est... On va aimer ça. Ça part. Je vous écris pour, évidemment, ma date de marde. Pour commencer, je suis une femme et j'avais environ 24 ans. Je venais de me séparer... C'est environ 24 ans, c'est drôle.
24 ans. Environ 23 ans. Ouais, c'est vrai. 24. C'était environ le printemps. Je venais de me séparer et j'avais besoin d'un boost de confiance. Donc, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis ouvert un Tinder. Swipe tout right, swipe left. Je finis par tomber sur mon genre de gars. 28 ans, un peu grunge avec l'allure d'un rocker, les cheveux longs. J'aime moins ça, mais ça lui faisait bien. Elle vient d'écrire Raoul. À part de 28 ans. Une tonne de tatous. Bref, c'est extraordinaire. On parle quelques jours et on finit par se donner rendez-vous chez lui. Comme il n'a pas d'auto, je dois donc m'y rendre. Le chemin se passe bien. Il m'écrit qu'il a hâte et qu'il est stressé de me rencontrer. Je l'étais aussi, donc je trouvais ça mignon. Je finis par arriver chez lui. Il sort de chez lui et rentre dans ma voiture. Je ne comprends pas trop sur le moment, étant donné que je croyais que nous allions rester chez lui tranquille. Mmh. Il me dit une fois assis et attaché qu'il doit faire une commission. Les gars, il faut qu'ils fassent des commissions. Les gars, que ce soit dans des chars, qu'ils doivent faire des commissions. Il faut qu'on aille en quelque part juste avant. Quand je faisais mes cours de conduite, mon prof de conduite m'avait amené chez un dos. Il faisait tout ça. Puis j'ai attendu, je pense, 45 minutes dans le char. Je pense que... Ah, il est allé se faire un fixe, quelque chose. Je m'excuse, là, mais si tu travailles prof de conduite, c'est que tu as un peu la tendance à faire « Hey, on va aller chercher quelque chose. » Ah, t'as un vice. Parce que moi, c'était la même chose. Là. C'était « On arrêtait. Ah, faut juste que j'aille voir mon ex. OK. » Là, j'attendais dans le char. Là, « Hey, faudrait que j'aille pogner de quoi à sac. » On arrêtait. Ouais, c'était ça tout le long. Là. C'est fou. Non, tous des vices. OK, j'étais un peu surprise parce qu'après 1h30 de route pour aller le voir, je ne suis pas un taxi, mettons, et j'avais hâte de sortir de ma voiture. Il me dirige vers le dépanneur le plus proche. Il en ressort avec une caisse de bière. Je lui avais demandé plus tôt dans la semaine s'il buvait. Il m'avait répondu que non. Mais il dit qu'il faut qu'il boive. Ouais, mais de la bière, ça compte pas, ça me prend une caisse de bière. Déjà là, ça part un peu mal. Aucun problème avec les gens qui boivent de temps en temps, mais pourquoi me mentir quand je te pose la question? Il boit pas de temps en temps s'il a besoin d'une caisse de bière tout de suite. Ouais. C'est pas en Russie que c'est considéré comme un soft drink. Ouais. Ben ouais, j'ai dit ça, mais ouais. Tu sais, la propagande. Ouais, il me dit qu'on pourrait faire un tour d'auto, qu'il n'a pas envie de retourner chez lui tout de suite. C'est toi, ça. Tom, il a tout le temps envie de faire des tours de chic. Mais c'est le fun de faire des tours d'auto. OK, mais appelez-vous, là. Attends, mais où? Promenez. À Longueuil. Moi, c'est plus comme... Moi, ça me dérange pas d'aller jouer à Québec ou ces affaires-là. T'aimes parce ça, que la ride? Ouais. Moi, je pleure en auto, là. Tellement t'es ému par... Ben, je trouve qu'au Canada, au Québec, on a des paysages incroyables. Ouais. Fait que juste ça, de la musique... T'es-tu monté au Saguenay? Tu vas fendre en cap. C'est spectaculaire. Asti, attends, des villes au Saguenay? Chicoutimi, Alma... Je fais de Joliette, excusez-moi. Non, je pense pas encore que j'ai été. Tu vas capoter. Ah, ouais. Non, c'est spectaculaire. J'ai fait... Tu sais, je suis allé pas mal dans sa... J'ai été à Côte-Nord cet été, puis j'ai été... Val d'Or, puis... Abitibi. Ouais, tu sais, puis ça me renverse, ça. Si t'as aimé la route vers l'Abitibi... tu vas aimer le Saguenay, là, ailleurs. Mais tu sais, je me mets de la musique, un podcast, je roule, puis ouf, ça vient me chercher, fait que je suis mais un peu... Mais moi, aussi, c'est différent. Moi, c'est dans les petites rues. Ouais, lui, il est juste... La maison est comme ça ici, je suis content. Ouais. Tu regardes en dedans, t'essayes de voir. Moi, je suis comme, je rentre à la maison aussi, j'ai des affaires à faire. Anyways, moi, j'adore les tours de char à Montréal, j'aime les voyages, je te dis. Moi, même que des fois, je suis triste d'arriver. J'aimais ça, la c'est parce ride. C'est du monde. Fait, tu sais que si t'arrives, tu parles à du monde. Mais moi aussi, je suis comme Chris, le monde qui roule à genre 150 juste pour arriver en premier. Mais oui, pourquoi? Pourquoi vous voulez tant que ça être au team très vite? Là. Pourquoi? Je viens de me décrire. OK. Bon, ça arrive à... Tantôt, tu m'as entendu, je l'ai battu. J'étais tout seul dans ma compétition. Ouais. Mais... Ah oui, d'arriver en char, c'est en premier. Okay. Ce qui est très dangereux, là, de vouloir aller plus vite que toi. Oui, moi, ça fait un peu plus longtemps que toi que je conduis. Oui, puis tu sais comment faire. Moi, tu... Yeah. OK. Il se met à boire dans mon auto à côté de moi. Ça, c'est bon. Oh, mon Dieu, c'est J'étais un peu prise de panique et je n'ai pas cru bon de lui dire que ça n'avait donc pas de bon sens. Donc, je l'ai laissé faire. Une fois le tour d'auto terminé, nous nous sommes enfin retrouvés chez lui. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que sa mère écoutait la télé dans son salon. Il vivait avec sa maman. Oui. Nous nous dirigeons vers sa chambre. Nous continuons de jaser pendant qu'il continue de boire. Il y a une 24 de fini, mon amour. Il finit par marmonner quelque chose que je n'entends pas du tout. Je le fais donc répéter. Et il me dit un peu impatiemment, il faut que j'aille chercher de la MDMA. Il faut. Pas j'ai envie. Il faut. C'est un cauchemar. Puis j'aime qu'il faut qu'elle fasse répéter parce qu'il dit, je vais chercher de la MDMA. Mais il est sous. Ah, c'est ça, en plus. OK. Il marmonne. Faut j'aille chercher de la... OK. Moi, je ne consomme pas du tout et je ne côtoie pas du les tout, gens... Du tout, majuscule. Oui, du tout. Et je ne côtoie pas les gens comme ça non plus.
les gens comme ça. Une fois de temps en temps, encore une fois, je m'en fous, mais là, c'est ta première date, mon homme, et tu me garochas de même. C'est beaucoup. Je c'est lui beaucoup. Dis poliment que ça ne fonctionnera pas et que je préfère retourner chez moi. Il oui, me oui, répond oui. Alors, ben là, peux-tu me déposer en passant pour ma MDMA de bord? Oui! Ben c'est là! Bon, mais c'est bon, oui. Ça! Ben là! Ben là, amène-moi chez Dave! Ben là! Ah ouais, c'est ça, tant qu'à prendre le char. Mais c'est pas déposé, c'est tu m'amènes chez Dave. Oh, j'aime. Il me donne l'MDMA, on fume un joint, tu me ramènes chez ma mère. Puis après, tu repars. Encore t'as une fois, t'as besoin d'un Uber, pas d'une date. Encore une fois, très poli, je lui réponds que non, qu'il n'a qu'à s'organiser. Je suis pas très bravo. Poli. Je sais pas si t'es poli. Pour toutes les dates qu'on lit, que le monde accepte des affaires épouvantables. Ouais, moi, j'aime ça. Mais attends, ça continue. Fait oui. Peut-être qu'elle a changé. Je m'en vais alors vers la porte d'entrée, ne sachant pas qu'il me suivait. Je mets mes souliers et pendant ce temps-là, il en profite pour m'insulter. Il me dit que dans la vie, tout le monde consomme. Tout le monde. Et que je ne rencontrerai jamais personne qui ne consomme rien. Jamais. Jamais. Tout le monde. Tout le monde est comme moi. C'est toi le problème. Ouais, c'est elle le problème. Tu es sous en titube. Ah, mon Dieu. Avec sa mère ouais. Qui écoute. Ouais, avec la télé. Ouais. Imagine ça, la pauvre. Pendant que sa plug d'MDMA l'appelle. C'est lui. Lui, c'est la norme. Ah, mon Dieu. Mais ça empire. Rendu là, je l'ignore. Je finis par m'en aller. Je t'ignore quelqu'un. Il continue de me suivre en me hurlant que je n'ai pas d'allure. T'as pas d'allure! T'imagines-tu si t'entends de rentrer dans ton char? T'as pas d'allure. T'as pas d'allure! Arrivant près de mon auto, le comble de ma soirée, il finit par me lancer une canette de bière à moitié pleine sur mon auto. Ben voyons! Ouais, il est pas... Il... Au moins, c'est en canette. Si on va se reprendre, il va pas bien. Ben, appelle la police. Oui, rendu là, c'est... Oui. Oui. Quelques secondes avant, quand je m'étais tassée pour rentrer à l'intérieur, c'était ma tête qu'il visait, oui, oui. Une petite date tranquille. Je lui écris après pour lui dire que je vais appeler la police, ce qui n'était pas vrai. Il a continué de me traiter de tous les noms en me disant qu'il serait obligé de se cacher toute la nuit à cause de moi. Moi, il a eu peur. Il n'a pas pu acheter sa MDMA. Moi, il est obligé de me cacher. À cause de j'ai commis un crime. Ben oui, c'est ça. Parce que ah, c'est ça qui arrive fou. Quand tu bref, attaques les gens. Je ne lui ai plus jamais parlé. Ça a été ma pire date ever. J'ai quand même eu peur, mais au moins, je peux vous divertir aujourd'hui avec cette histoire. Ah, pour vrai, c'était terrifiant, mais une chance, t'es parti. Ouais, bonne soirée, dit-elle. Mm. Dormez bien, tout le monde. L'astide fou furieux. Oh! Tu sais que sa mère va lancer la fumée des cigarettes. Ah, mais c'est sûr que sa mère, elle fixait pas la conversation. Elle devait être habituée là, d'entendre genre son gars ramener du monde. Puis c'est sûr que l'environnement familial est peut-être particulier. Là. Moi, quand j'ai. Je sais pas si on a-tu. On a du temps aussi. OK. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, tu sais, l'école de l'humour, il y a un moment donné où est-ce que tu réalises que c'est comme. Il y a du monde qui aimerait ça aller là, puis que toi, t'es quand même chanceux d'avoir été là et tout. Et ouais. Tout. Puis, au même moment, il y a une fille de mon secondaire qui m'aurait écrit. Mais une fille de mon secondaire qui n'est pas dans ma ligue du tout, du tout, du tout, du tout. Puis là, on dirait que je me disais, ah, mais c'est logique, parce que j'étais à l'école de l'humour. Ma valeur a augmenté. Puis là, moi, j'étais persuadé que ce qui se passait, c'était de la séduction. Parce que, tu sais, c'était comme, hey, j'aimerais ça aller prendre un café, tu sais. Mm. Fait que j'étais comme, ben oui, OK. Puis dans ma tête, fait c'était comme... Date. OK, le monde qui disent que les gens drôles, ça... Ouais, ça fun, tu sais, c'est vrai. J'étais rempli d'une confiance que je méritais pas nécessairement, tu sais. Puis on allait prendre des cafés, puis tout, puis était comme, tu sais, t'étais vraiment drôle au secondaire, là, on trouvait ça hilarant ce que tu faisais, fait que c'est malade ce qui t'arrive, puis tout. Moi, j'étais comme, ah, oh, c'est vraiment malade ce qui m'arrive. J'avais une confiance, ça avait pas de sens. Ça a duré des mois, là, de comme, OK, nanana, puis le moment était comme, hey... Tu sais, à l'école, tu dois pas faire beaucoup, beaucoup d'argent. Là. J'étais comme, mais non, tu sais, je travaille 2 jours semaine, mais tu sais, une job étudiante. Et comme, moi, j'ai de quoi pour toi. Ma sœur se part une entreprise. Tu pourrais embarquer, c'est super familial. Moi, j'étais comme, mais tabarnak, oui. Elle fait, puis en plus, t'es super bon pour parler. Oui, Chris, bon on vendeur. Aimerait ça te prendre comme, justement, comme un vendeur. Je suis comme, ah, elle dit, tu pourrais faire, tu sais, facilement 50 000 par année que ça, là, tu sais, puis une job étudiante. T'es comme, facilement. Tabarnak, ben oui. Puis tu sais, je suis doté. Jouer. J'étais à l'école de l'humour, moi, tabarnak, oui. Là, tu sais. Fait qu'un soir, elle me dit, hey, on se réunirait tout le monde pour t'expliquer le truc, telle date. Tu peux-tu? Ça a tombé que j'étais malade comme jamais, fait que j'ai dit, je pourrais pas. On se redonne une autre date, un mois pile après. J'arrive là après l'école avec mon sac, mon look de. J'étais à l'école, là, c'ti, tu sais. Puis c'était dans une salle de réception, genre dans le quartier industriel, une astide belle salle avec des planchers vernis en bois, des œuvres d'art, pis tout. Puis je suis comme.
Moi, je suis habillé en étudiant, puis j'ai très l'air d'avoir l'âge que j'ai présentement. Mm. Tout le monde est en complet, des montres, des bagues. Elle est en robe de bal. Puis il n'y avait pas juste elle et sa sœur. Il y avait peut-être 300 personnes. Wow! Là, je suis comme, « Asti, c'est une grosse entreprise, ça, finalement. » Puis je réalise qu'on est comme 4-5 dans ma situation, habillé comme on ne savait pas trop ce qu'on était. Asti, ça commence, on s'assoit. C'était une conférence pour de la vente pyramidale. C'est sûr. Yes, sir! Mais moi, là, ça fait des mois que je suis comme, « OK, ouais, je suis rendu là. » Je m'assois, là, puis elle est assise à côté de moi, puis elle me regarde tout le long avec un... Hein? Puis, tu sais, c'était des affaires de « C'est Trump qui a parti le concept! » Puis là, les gens qui disent que c'est de la vente pyramidale, c'est pas vrai, c'est de la vente à palier. Ils nous expliquent ça jusqu'à temps qu'ils nous expliquent que le concept, c'est que ils vont nous, si on dépense 500 $ pour adhérer à ça, mm-hmm. on va vendre des téléphones, mais pas beaucoup parce qu'à un moment donné, tu vas recruter des gens qui vont vendre des téléphones. Uh-huh. Voilà la pyramide. Uh-huh. Puis idéalement, ouais, mais c'est comme plein de pyramides qui font des paliers. Oui, oui. Puis là, moi, je suis assis puis je suis comme, ah, oh, tabarnak, j'étais persuadé. Puis je regarde puis elle est comme, hein? T'as-tu hâte que moi, ça soit comme, toi, ça? Je t'en estie, là, de comme voir que j'ai succombé, tu sais. Puis il nous explique que tu récoltes 3 amis, eux autres 3 amis, eux autres 3 amis, puis vite, tu vas faire 1 million. Parce que le gars qui avait genre 22 ans, il nous disait sa scène, il dit, tu sais, parce que moi, là, je t'avais depuis être ici devant vous autres, là, parce que mm-hmm. tous les gens autour de moi, là, sont sur des yachts en Floride. Mm-hmm. Puis le monde, ça criait. C'était vraiment genre, ah! Le monde, ça criait comme des fous. Puis moi, là, à un moment donné, je perds la boule. Je me lève, on est 300, là. Je me lève, je fais, là, excusez, là, si j'accepte de vendre des téléphones pour toi, faut que je trouve 3 autres personnes. Ouais. Très bien. Ces 3 autres personnes-là vont trouver 3 autres personnes. Oui, exactement. Malade. Ces 3 personnes-là vont aussi trouver 3 personnes. Ouais, c'est ça le concept. Quand on aura la planète entière, on va y vendre à qui nos hosties de téléphone pour devenir milliardaire? Et puis là, le gars, il a genre fait un... Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas devenir millionnaire. J'adore. Et tout le monde s'est mis à me bouer. Ben oui, ah! Boue! 300, le gars en avant s'est levé puis il m'a lancé sa cravate. Il a l'âge de mon père, le gars. Il a lancé sa cravate? Oui, en faisant ça debout sur sa chaise, ça avait l'air du cirque, c'était de la jungle. Je me suis levé puis je suis parti. Wow. Puis j'étais dans mon char puis j'étais comme, là, tu t'es fait t'avoir, là, plus jamais, man, plus jamais. Puis je suis parti chez nous, j'étais en tabac. J'ai écrit le lendemain, j'ai dit, là, ça, c'est de la vente pyramidale. C'est quoi la différence entre toi et moi, fondamentale? Moi, pendant que tout ça se passe, je me dirais... Comment je peux coucher avec sans acheter de cellulaire? Comment il y a moyen de coucher avec sans les cellulaires puis le 500 piastres? On peut juste retourner prendre des cafés, là. Je suis pas obligé d'aller à la conférence. Comment je peux lui faire à croire que non, mais il m'a l'acheté de bientôt, mais tiens, viens chez nous. Comment, là? Quand j'étais placière dans les mais salles la cravate, de... ça, j'aime ça, j'aime ça. Bouh! C'est je, vraiment je, bon. Je veux faire ça à quelqu'un. Ouais, je veux lancer une cravate en boue. Ouais. Quand je te plaçais dans les salles de spectacle, tout le monde pense qu'on voit tout le temps les meilleurs shows ever. Mais quand tu commences à les meilleurs placés ou ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils prennent tous les meilleurs shows puis les meilleurs cases horaires. Puis toi, des fois, tu te retrouves avec des cases horaires de jour puis des essais d'affaires louches. Puis donc, des gens qui... Des corporations, des institutions, des personnes qui louent la salle pour des événements privés. Puis un moment donné, c'était ça. C'était de la vente pyramidale d'assurance-vie. Et c'était comme dans les Simpsons, tu sais, il y avait la grosse écran avec la décapotable sur le bord exactement. D'une falaise. Ouais, 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 ouais. Et la phrase qui m'est restée marquée en tête à vie, puis j'ai encore plein d'amis de cette époque où j'étais placière, c'est qu'il finissait toutes ces, mettons pas phrases, mettons paragraphes de son discours par « See you at the top ». Mais il était comme, c'est pas de la vente pyramidale, mais ton asti slogan, c'est « See you at the top ». Asti, c'est bon. Peux-tu me raconter mon histoire favorite de la salle André Mathieu? Laquelle? Celui du monsieur qui reste pogné à cause de Mesmer? Non, mais compte ça. Mesmer! Mais compte ça, ma chérie. Tu sais, Mesmer, comme il hypnotise les gens. Pour vrai. Pour vrai. Ouais. Puis, des fois, il fait le truc des doigts, puis il check avec qui ça pogne dans la salle, puis il fait monter le monde, puis tout. Puis, il donne la permission donc aux gens de se lever. En tout cas, à partir du moment que tu es hypnotisé, il faut que tu dises aux gens quoi faire et tout. Puis, il y a un monsieur dans la salle qui est resté pogné dans l'hypnose, puis il n'était pas capable de se lever de sa chaise sans que Mesmer lui dise. Okay? C'est l'esclave de Mesmer. Fait que là, le show finit, tout le monde quitte, mais là, tu as une pauvre madame qui est à côté de son mari qui est assis, puis qui est genre...
pogné dans son hypnose, puis qu'il n'est pas capable de se lever. Puis là, c'est comme, il faut aller chercher Mesmer pour déshypnotiser le monsieur. Mais Mesmer, il a signé les autographes de genre toutes les gens qui attendaient avant d'aller déshypnotiser le c'est monsieur. C'est pas vrai! Il est occupé! Mais son public le réclame! Son mais public. Imagine, il part! J'ai un show après. Ou... écoute, ça, une autre anecdote que j'adore, c'est... c'était un magicien. Je pense pas que c'était Luc Langevin. Je me souviens plus lequel. Il fait monter sur scène des gens. Puis il les fait disparaître. Genre 10 personnes. Ça, c'est Alain Chaquette. C'est Alain Chaquette. OK. Il fait disparaître. Mais il fait pas disparaître. Pour vrai. Fait qu'habituellement, mettons qu'ils prennent Thomas, qu'ils le font disparaître. Puis après ça, dans le foyer de la salle, tu te retrouves. Tu fais comme « Ah, mon Dieu! » Le magicien t'a fait disparaître. Ben, il y a une madame ou un monsieur, peu importe, que son conjoint t'allais se faire madame. Je pense que c'est la madame qui a disparu, puis le monsieur, il... Bref, en tout cas, pas le moment. Bref, mettons que c'est une madame qui se fait disparaître, le monsieur est dans la salle, ils font disparaître sa femme, il a colissé son camp de la salle, il s'est rendu chez lui, puis il pensait qu'elle allait réapparaître à la maison. C'est pas vrai! Puis là, elle l'appelle, puis comme, t'es où? Puis il est comme, mais je suis à la maison, je t'attends, aussi. À la maison, je t'attends. Quand est-ce que ça réapparaît? Quand est-ce que... C'est pas vrai. Ben oui. Tabarnak, ben j'adore oui. Ce gars-là. Faut donner plus de tribunes à ce gars-là. Son ben raisonnement est incroyable. Mais pour vrai, on m'a le dit, ce gars-là, c'était Denis Lévesque. Ah, c'est... Denis Lévesque, ta maison. Wow! Il chantait des chansons. Ah, si. Moi, je me suis fait intimider par Gary Kurtz. Pardonne-moi? Je me suis fait intimider par Gary Kurtz. Ben, continue. Dans genre ces dernières années de show, là, j'étais jeune. À l'école, il venait dire, « que l'autre... » Non, mais j'avais été voir son show, j'étais jeune, puis à la fin de son show, il y a comme une boule au top du stage, comme attachée après des fils de fer, puis à la fin du show... J'ai aucune idée ce que tu t'écris, c'est génial. Ouais, il y a comme une grosse c'est boule. C'est un show, une boule. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi ça existe. Ouais, c'est génial. Il fait genre, « OK, tout le monde, donnez-moi, genre, il y a un nombre dans la boule, donnez-moi chacun un chiffre, puis... » à la fin, on va voir si c'était ce qui était dans la boule depuis le début. Oh. Il dit, moi, je vais vous dire dans vos têtes quoi dire. Okay. Moi, j'ai comme 10-11 ans, tu sais. Je suis le dernier. Je pensais que j'étais... En fait, je suis l'avant-dernier. Il fait, oui, le petit gars, donne-moi un chiffre. Je dis 32. Il dit, devant tout le monde, ça, c'est un nombre. T'es pas encore rendu là à l'école. Tout le monde rit. Tout le monde regarde. Puis là, il fait des gags sur le fait que j'ai pas catché, nanana. Puis il fait, mais regarde, tu m'as donné un nombre. Ça a peut-être changé les choses un peu. On va aller voir. Finalement, c'était 32, le dernier nombre. Mais tabarnak! Moi, c'est lui, esti, qui m'a collissé ça dans la tête, si je suis sa logique. Il s'est arrangé de m'intimider devant tout le TVT, puis mes parents, ma famille, parce qu'on était là en famille, nous autres, on est des gens de banlieue. Quand il y a un show, on y va. Je suis en tabarnak! Fait que t'as pas de peine que son deuxième show ait pas marché. Calisse de Gary Kurtz, tain, mon esti de fou. Là-dessus, on finit là-dessus, on s'en calisse de Gary Kurtz. Tu seras jamais à coupe ouverte. Jean-Antoine, c'est extraordinaire. Merci. Je suis déçu de ce qui est arrivé à la croisière et avec Gary Kurtz. Ça me fait beaucoup de peine. On t'aime, on est sur TikTok, sur Instagram, on achète des billets, on tripe sur toi. Puis fuck Gary Kurtz. Fuck Gary Kurtz.